Momo! Ouais. Embauche! Faites-moi des chargeurs de Spar CZ, s'il te plaît. Hein? Faut des chargeurs de Spar, s'il te plaît. Ah. Aïe. Génial! Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est rien, ça. Bienvenue au rendez-vous quotidien, altistlifefrance.com, 20h minuit, comme à son habitude, comme tous les jours, comme toutes les semaines, comme tous les mois, comme toute l'année, enfin comme tout le temps. Bienvenue à tous, merci d'être présents. On va lancer l'aventure du commandant Springfellow, le thug. Et ouais, le thug de la police. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez vous éclater, parce que moi ce soir je suis chaud patate, de casser du vent, faire chier des gens, enfin me purifier, c'est important. Voilà, bon allez, bon live à vous, j'espère que vous vous faire marrer. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour voir les vidéos et le live de ce soir. N'oubliez pas de vous rejoindre sur Discord, point d'exclamation Discord, le lien Moonboot parce que j'ai toujours pas eu le temps de changer. Il y a quoi d'autre? N'hésitez pas à follow. Merci encore aux followers de cet après-midi qui ont rejoint la famille. Nous sommes 290. Merci beaucoup de cette fidélité, de cette confiance. Merci à tous. Et c'est parti pour le Springfellow TV Show Live. Allez, bon, amusez-vous bien. C'est énorme. J'aime. Ça, c'est bien. Marcher les gens. Ça me purifie. C'est pas mal, ça. Je vais la garder. Help. En salle d'habillage, il y a un ESI, les gars. Vite. On l'a déjà fait. Ah, bah, il y a Yankee. Un ESI. Attends. Alors, 2 plus 4, 6, 7. C'est un problème, du coup? Ah, bon, quoi, là aussi? Trop de monde. Mais respect, mon commandant quoi, préféré. Respect, mon commandant préféré. Mais respect, mon commandant préféré. Vous êtes vraiment tous des sus-boules. Mais moi, c'est parce que je vous aime, mon commandant. Moi, j'avoue. Moi, je suis fier d'être un sus-boule. En effet. Bah, surtout, les boules, c'est pas. Merde, c'est des bons sous-boules, mais c'est des boules de sous-boules sans lisse, donc ça va. Logis, tu t'équipes dans 5 minutes, dans 3 minutes, on ça part. Un peu pour moi, ah, mais je suis déjà prêt alors s'il faut. Alors on part. Vous avez dit quoi? Il y a une quoi? ESI? Ouais, une ESI. Pourquoi j'ai vu toi? Ça veut dire quoi? Au calme, j'ai pas de garantie. Vous avez des couilles lisses, mon commandant. Bah les couilles. Ok, Dédé, qu'est-ce qu'une ESI? Une équipe sur intervention. C'est quoi l'équipe? Une personne qui est étrangère au service dans un lieu interdit. Je suis pas sûr que tu veux dire ça du coup. Bref, t'es là. Y'a pas de S, y'a pas de I là-dedans. C'est un ESI un petit peu modifié. Ouais, c'est ça. ESI. École supérieure de l'immobilier. Mais bien sûr. C'est un peu comme de réponse. Tu sais ce que ça veut dire FTG? Prends ta gueule. Et tu sais ce que ça veut dire CPA? Rapide réponse. Non, constat pour audition. Voilà, bravo. Bravo, Belly. 10 sur 10. T'as eu ton. Non, c'est constat pour accident. Ok, dégage. Ok, ouais, sors de là, toi. Parce que... Vas-y. TPA, c'est coupable. Jette-toi à la mer encore une fois. J'ai plus de balles, j'ai tout mis dans mon truc. Dites-moi, mon commandant. Vous savez que Douglas, il a été jeté à la mer tout à l'heure. Oh, il s'est nagé?
Bah, ah bah oui, non, parce que j'étais un noir à la mer. Bah là il est venu sur Altis donc... Raciste ça. Tu colles de ski. Ça c'était grave raciste par contre. Tu l'as fait raciste tout ça. Qui c'est qui dit ça? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Aïe. Hein? Qui c'est qui a pas aimé? Oh j'ai plus de... Douglas, t'es moche, je dis pas ça parce que t'es noir. D'aventure pourquoi je raconte pas vous? C'est Aiden qui a dit ça, commandant. Appelle Momo, Canal 6. Mac, la prochaine fois que t'es commandant sur le terrain, je t'aide pas. Bah tu m'as pas aidé une seule fois, tu que je suis commandant le terrain, j'ai été commandant tout à l'heure. Ça arrivera un jour, t'inquiète. Ouais, et bah moi je te sauverai les fesses encore. Moi j'ai été commandant deux fois par Ordor. J'attends de voir ça. Une fois, un an, deux fois. Une fois je t'ai roulé dessus. Ouais, mais c'est parce qu'il est trop efficace le brigadier, ok. Ah bah mon commandant du coup Dumas il a dû partir. Écoutez, ah il va des bolles maintenant. Mortellement en intervention, Viper cassonné tout ça. Ok. Ah monsieur Fist. Ouais, faut que tu nous fister hein. Égoïste. Ouais, merci. Espèce d'égoïste, égoïste. C'est fini. Espèce d'égoïste. Gros. Et toi t'as le droit. Ouais, j'ai le droit. Ah ouais. Ça va gros. Gros fister. Allez, tous les Vipers contre le commandant, on va se mettre en bas, on va préparer un beau discours pour le commandant, let's go. Vas-y, préparez. Si, sœur de Victor. Allez, tout le monde descend. Mon commandant m'a attaché. Bouge pas. Allez, on fonce les gars là. On fonce. One eternity later. Allez, maniez-vous là. On est pas là. On attend notre boss. Il est où Kanamo? T'as les véhicules. Quel véhicule? Salut, on reste. Mais respect mon commandant préféré. Ça va, okay. Vous t'es belle. Ouais, je change. Hein? Quoi? C'est pour moi? Ouais. C'est vrai? Je change des squads. Hum? C'est pas... comment? Oh merde. Moi je t'aime plus en fait. Et voilà, on peut plus interagir avec lui, bravo. Relâche-le. Viens ouais, pas ça, comment tu vas? Voilà, maintenant démenote-le. Comment tu prononces ton pseudo toi? Comment tu t'appelles? Le bordel couvert là. C'est quoi ce bordel? Allez, c'est la faute d'Artem mon commandant. Allez là, bande de taviole là, bordel de merde. Yanamo. Il est pas là. Bon. Yanamo, pas toi. Comme vous savez, je vous aime pas. Ouais, on sait. Moi je vous aime. Merci mon commandant. C'est dingue. Ouais. Comme vous savez, vous êtes nul. Ouais. Oui. Merci mon commandant. Comme vous savez, c'est moi le plus beau. Oui. Oui mon commandant. Oui. Comme vous savez, c'est moi le plus fort. Oui mon commandant. Oui. Parce qu'il faut pas oublier quand même que l'argent de la banque c'est grâce à moi. Oui mon commandant. Mon commandant, monsieur Bellic a dit que vous étiez pas le plus fort. Hein. Je viens d'entendre, il vient de dire. Non. Ferme ta gueule, putain. Apprends à fermer ta gueule quand il faut, Mike. J'ai déjà pris ça. Putain, je t'ai pas assez tapé dans le mur quand t'étais petit. Et t'es pas mon père! Parce que t'es con. Ah. Bref. Bon, bref. Les adoptes-loups. C'est bon, l'histoire de famille là, le consanguin là? Oui, ensuite... mon commandant. Plus sanguin que con. Non, plus con que sanguin en vrai. Hein. Plus con que sanguin, c'est vrai. Toi, t'as vu, toi? Et bah aujourd'hui on va casser le vent, on va faire chier les gens, ça va nous purifier, c'est important. Ouais. Ensuite, nous avons une famille rebelle qui revendique un territoire qui n'est pas le sien. Et ça pour moi, c'est une pour Jeff. On parle de la rampette là. On parle de la rampe. On va les fumarrer le matin. Donc attention, la rampage va prendre en otage, la rampage va pas nous faire de cadeaux. Et la rampage est très compliquée à négocier, sachant qu'ils ferment toutes les portes et qu'ils sont butés dans leur connerie de rebelles. J'ai des clés, je ferme les portes. Il faut qu'on soit leur papa et qu'on les guide vers le droit chemin, farmer des pommes. Ouais, et des pêches surtout. Et des pêches, mais des pêches ouais, pour ma femme. En plus, elle est enceinte. Diamant. Des pêches pour ma femme, elle est enceinte. Ensuite, pour les promotions, félicitations à... personne. On va attendre jeudi. Voilà, ça c'est fait. Sérieux là? Tu rigoles? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que j'aime bien, ouais. j'aime bien. Ça va. Maman, je vous aime bien. Aujourd'hui, Bellic, bah parfait. Un brigadier avec une recrue. Et un brigadier avec Dieu. Il est où Dieu? Il est où? Il est en face. Ma gueule toi, je vois pas.
Bon, moi je vais avec Dieu parce que Bellic avec sa. Mais t'es pas un brigadier, t'es une recrue! T'as recruté vers le mur, on va je te. Ah oui, c'est vrai, merde. Putain, mais. Putain, je saute. Saute et ramène-moi. Oui! Ramène-toi le cul! Brigadier, saute et ramène-moi à poisson. Moi. Lequel? Choisis. Oh putain, il est coma le con. Quoi? Vous voulez lequel? Lequel des. Il est coma. Il est coma. Tu vas crever, Bellic. On s'en fout, tu vas crever. Parce que tu connais, j'aime bien. Tu prends Bellic? Allez, va. Oh la cousine Sneed! Oh oui! Ok, prenons! Qui qui m'a appelé? Moi! Et ramène-moi un poisson, ça, bordel de merde! Bah vous, qui, là? Et Douglas! T'es avec qui? Ramène-moi un putain de poisson! Du poisson, hein! Brigadier Douglas! Il y en a, il y en a! Monsieur! Dédé! Brigadier Douglas! Comment ça va? Tu veux être au contact ou pas? Je sais, je te connais, t'inquiète! Non, parce que je sais, de toute façon, je suis obligé de vous trouver, sinon vous êtes. Je prends un truc avec moi au contact et je suis à Kelvin! Brigadier Barbia! Kelvin, tu vas avec Dédé, puis moi je vais prendre Hugo avec moi. Ouais, ok, j'ai entendu. Hein. Vous allez me former ce gars-là un peu correctement là. Lequel? Un véhicule, faut le préparer. L'égoïste là? Ah si. Déjà prêt. C'est compliqué hein? Avec Jerry Canet déjà? Ah ouais, tu sais, il va venir avec moi au corps à corps. Hugo, si jamais il se passe une couille, sache que c'est toi le responsable, je prendrai pour tout le monde. C'est pas sympa ça. Lol, lil, lal. Ok, on se casse. Du coup, ce brigadier. Et go, 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 go. Et les gars, il se passe quoi là? Attends, pourquoi je peux la charge? Il se passe quoi les gars? Harry Bambel. Salut Tapette. Bon alors aujourd'hui vous êtes tous virés. Félicitations, CPA vous servez plus à rien. Et Syrah, bah vous faites de la merde. Au revoir. Ouais, merci. Génial. Merci beaucoup. Super. Quoi super? Exactement, super. On est plus virés, c'est bon? Te présenter non, c'est bon, on vous garde en fait. Ah bon, d'accord. Merci mon commandant. Qui c'est qui t'a monté grotte toi? C'est C'est Whisky. Mon commandant préféré. Oui. Tenez, c'est pour vous. Salut Alex. C'est quoi? Ah bah voilà, parfait. Tiens. Oui mon commandant. Pour info, il sent comme mon père le poisson. Tiens. Oh, il faut que tu sens. Oh. Fighter. C'est qui avec moi? Kevin. Du coup, t'as une bagnole? Non, négatif. RSP Major. Ah. Non, négatif. Affirmatif. Il fait le poste, Major. Il fait la Red 10. Skirak, Tati, comment ça va? Vous avez des voitures de commandant? Bienvenue, merci de votre fidélité. Bienvenue. J'avais marre de balader dans des Majors Prolo. Non, c'est bon, j'arrive. Ouais. Je l'ai suivi. Yo, comment ça va? Hello, G. Tu sais quoi, Kelvin? Les gens, on essaye de. Il y avait le lieutenant Okai qui avait une idée de faire un test. C'était de mettre une idée éco, anti-sniper. Attends, je rigole tout de suite. Ouais. Et du coup, anti-sniper, genre avec du 7. J'avais imaginé des M15, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous mettre vous avec Kelvin pour faire ça, sachant qu'il aime bien le long porté Kelvin. Ouais, c'est cool. Vous dites ou pas? Commandant. Quoi? Est-ce qu'on a le droit d'avoir le masque et la cagoule quand on a la cagoule? Est-ce que ça sert à quelque chose de t'avoir dans la police? Go, t'es des chameaux, t'as des gars. Ah, mais commandant! Quoi? Du coup, y'a moyen de sortir une 762 pour Kelvin ou? Oui, je vais la sortir, deux secondes là. Je vais d'abord sortir une bagnole, putain. Ta gueule. Putain, je vais d'abord sortir une bagnole. Tesla! Tesla! Salut Pipiap! Bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne! Salut mon loulou. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube pour revoir ce live et les autres lives que tu as ratés précédemment et nous rejoindre sur Discord. Ah oui, pour les revoir en petit déjeuner et en début de journée. Et tu peux également nous rejoindre sur YouTube, sur Discord, pardon. Excuse-moi, il m'énerve. Pourquoi t'as quoi avec ta planche à l'endo? Il m'énerve. Alors déjà, j'ai pas le choix parce que je suis
Tesla. Elle est où la putain de Tesla, Elle marche très bien. Ah oui, mais je sais, c'est pour ça que je l'ai vu. Mais je la trouve pas. Pourquoi je l'ai pas? Parce que vous êtes pas assez au gradé. Ma gueule ou quoi? Pourquoi je l'ai pas? Ah non, on a l'Arba de 500. Pourquoi j'ai pas la Tesla? Tesla S, Model S, Tesla, je sais pas. Ah non, je l'ai pas. Son nom, toi, je vais donner son nom. Ouais, je l'ai pas Tesla en fait. Tesla Model S. Mais je l'ai pas. Tesla Model S. Ah si, elle est là, Tesla Model S. Combien coûte? Oh la vache, ouais, putain, ça va me coûter cher, ça encore. Hop là. Combien? Trop bien. Ouh. Ah, je crois qu'il a une MK200, le commandant, il pourrait partir en Charlie. En batteuse, hein, En batteuse, les gars. Donc la MK200, il peut se tirer loin avec la MK200, non? Ah bon, 400, 500 mètres. Parce qu'à 600, ça couche. Voilà. Tiens, Kelvin, balance... Non, j'ai pas ouvert. Tiens, Kelvin, enlève la voiture, tu vas sortir un Strider. Attends, deux secondes. Pourquoi? Hein? Je sais pas. Attends, c'est peut-être là-dedans, je crois que je l'ai. Je suis pas sûr. Ouais, c'est là-dedans. Ouais, je suis là, j'arrive. Viens chercher ton arme, Kelvin. Ah, c'est humoristique, ça. Attends. Ah, humoristique. Ça me dérange pas. Voilà, c'est un max que tu vas voir. Michto, non? Michto de ouf, y'a pas de balles, mais Michto. Je vais en chercher des balles. Allez. Garde ta MK, t'as KO, hein, KO, tu te rush. Évidemment, je garde ma MK, tu m'as pris pour un sdb. De toute façon, j'ai ça, moi. Attention. Ah, plus son du jeu est trop fort, ok. Merci Théo. J'ai réglé. Merde! Tu fais de la merde. Alors, est-ce que vous aimez les petites animations que je vous ai préparées? Alors, c'est un début, hein, Salut Fiston, on s'en fout. Il y a combien de joueurs sur le serveur? Alors en totalité, il y en a 120 plus 25. Je sais plus. Là, tu as 200, 180, 200, je crois. Je sais plus. Beaucoup de joueurs, Murray. Beaucoup. Chargeur toujours full, donc beaucoup. Et encore, t'as pas tout vu. Hein. Redfield, c'est qui le patron? C'est vous. Et c'est qui le plus beau? Vous, Dieu. Mets-toi à genoux et dis-moi que je suis beau. S'il te plaît. Vous êtes le plus beau. Je suis qu'un tag, ouais. Je suis qu'un tag, ouais. Merci. C'était juste pour faire une démo. Merci. T'as peu de viseurs. Non, mais ça suffit. Pas besoin d'avoir 50 viseurs, t'inquiète. Du coup. Mais, y a pas un groupe de 3 là? Ah bah ben, écoute, je t'invite à télécharger. Je sais plus quoi. Le launcher et le mod. Et tu nous rejoins sur altislifefrance.com. C'est en expérimentation, hein, Théo. C'est en expérimentation, tout ça. Actuellement, ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Là, j'ai bossé dessus jusqu'à midi. Hein. De hier à aujourd'hui, midi. Hein. Pour voir à peu près comment ça marchait, comment vous pouvez faire, télécharger, modifier. Ben voilà, quoi. Le mec, il va piquer ma bagnole aujourd'hui, il va être content. Un peu fort le son de tes animes, sinon cool. Ouais, je vais baisser le son. Hein. Faut que je baisse le son. T'en as pas là, pas. Qu'est-ce que je fais là? Je fais de la merde. Ouais. Et merde.
Et merde, mon viseur, putain. Ouais, ouais, j'ai pas réglé le son encore. Je m'excuse. C'est vrai. Il est vrai que je n'ai pas modifié le son. Mais je vais pouvoir le faire. Mais en gros, voilà. En gros... Respect, commandant. Salut, ça va, ta fiole? Ouais, tout va bien. Ouais, bah nickel. Et du coup, C'était... un peu rude, ça, hein. Non, mais non. On s'y fait, on s'y fait. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, bordel, là. Par contre, mon commandant... Voilà, ouais, je vais le faire. Ouais, quelqu'un avec moi. De quoi? Faudrait mettre une unité avec moi en doc. Ouais, bah tu choisis, t'es major, non? Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il faut casser un groupe. Eh ben, on casse un groupe. Tu mets le troisième avec moi. T'es major, tu te démerdes. Ouais, on va voir. Je suis assez clair, là, non? Ah, je pense que, à mon avis, c'était assez clair. Hein. C'est pas le plus clair, merde. Non? Merde, j'ai que des chargeurs. Merde, que c'est? Putain, le mec, il me loot, là, il va être content, là. Putain, culé. Il est interdit de me looter. Maintenant, c'est surtout pour jouer tranquille, plus de grands projets. Ah, si, j'ai encore de beaux projets. Ah, maintenant, c'est surtout pour jouer tranquille, plus de grands projets. Eh ben, écoute, viens sur LF. Tiens, tu vas conduire, si. Je sais que t'aimes bien. C'est parti. C'est parti, mon kiki, c'est parti. Je pense que t'as assez de chargeurs, là, tu vas pas m'emmerder. Je pense que ça devrait suffire. Hein? Je suis un tech. Je mets pas de chargeur sous le Lynx, hein, tu te démerdes. C'est bon, vas-y, je l'ai. Je l'avais. Je l'ai plus. Je l'ai. Je l'ai plus. Ah si, je l'avais. Hop, je l'ai, c'est bon. Avance! Avance! Oh! Putain! Que le major, il a dit avec lui. Tu te démerdes. Salut Grépy, comment tu vas? Salut Trunks, bienvenue, merci d'être présent. Non, Sneed, il revient. Qui a dit toujours avec toi, Odor? East? Mais non, toi Hugo, tu pars dans le doc. Ou sinon, c'est ailleurs, n'importe, un des deux. Où est-ce que... T'es parti où? C'est bon, Hugo est parti au doc. Bah, vas-y, conduis là. Ouais. Je viens avec toi. Moi je suis chauffeur moi. Non, tu vas avec, Ça fait... Allez-y, amenez-moi la pote à cul s'il vous plaît, chauffeur. Oui, je vais avec. Ça va nickel, Trippy, ça va, ça va. J'ai fait pas mal de trucs. Je suis content. Le stream deck fonctionne super bien. Ça y est, je l'ai en main. C'est vraiment top. Franchement, c'est un outil nickel que vous m'avez fait. C'est top, franchement. Il y a moyen de faire de grandes choses. Toujours la forme. Mais ouais, toujours la forme. Toujours la forme. Tiens, d'ailleurs, hop, je vous mets juste en pause 2 secondes. Ça va bloquer, friser un petit peu, mais c'est normal. Aïe, 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 j'ai mal à ma jambe. Et il va se plaindre. Hop. Voilà. Bah, je ferai ça tout à l'heure. Pour descendre le son des animations. Ça va, voilà, mes loulous. Et vous, comment vous allez? Allez, dites-moi comment vous allez, tous, là. Je veux tout le monde qui me dise si ça va ou pas. C'est important, ça, les gars, de savoir comment vous allez, merde. Commandant, vous êtes sur la fréquence 2? Afi? Oui, oui, Afi. Du coup, qui vous prenez le lead? Négatif. Qui c'est le plus gradé? Ah, c'est le Major. C'est le Major. Major, prenez le lead, du coup, en doc. Montre-moi ce que tu sais faire. Salut, Antico, comment tu vas? Merci d'être présent. Merci beaucoup. Donne-moi la fréquence du 8. Du la longue, s'il te plaît. Imhotep 83.
C'est tout ? 80.3. D'accord. Bah écoutez, si vous allez tous bien, moi ça me va. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça fait ça ? Ah oui. Je suis super content, ma quantité a été retenue chez Viper. Ah bah nickel ! Oh là là, oh là 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 là, c'est quoi ça encore ? C'est mon ma recrue qui apprend à utiliser mon strider apparemment. Oh putain, c'est qui la recrue ? East. Oh putain, East. Oh, yo. T'es East tout court toi ? C'était rigolo ça, hein, East tout court. Si je le range dans le garage, est-ce que j'ai récupéré la fumée qu'il y a dedans ? Mais fais gaffe, enlève tous les accessoires de tes armes que t'as dedans. Ouais, mais ça c'est... J'ai jamais d'accessoires sur mes armes, etc. Non. Ah bah nickel, il est à level depuis 9h pour faire le jardin. Ça c'est un truc de fou, Fire. Attends, j'ai là. Oui, moi. Ah, désolé, bah je vois pas. Putain, il y en a que 4 qui sont là. Bah, le lead, surprise. Je sais pas, c'est une blague. Le lead Viper est demandé en longue. Ouais, mais je crois que tu m'as pas donné. Du coup, pour l'instant, c'est vous qui l'avez, Major. Ouais, mais je vais te leur filer, c'est plus simple pour moi. Parce que si je gère aussi les coms de l'unité médicale, etc., c'est pour le bordel total. Merci, ouf. Merci, mon petit Nec. Merci, mon petit Nec, ça me fait super plaisir. Merci, oh. Merci beaucoup, merci. Je sais pas comment te remercier, toi, à chaque fois, là. Je putain, mais parler. T'es un dieu vivant, t'es mon idole. Sur la famille, c'est le numéro 1 de la famille, le petit Nec. Merci beaucoup. Il est détendu, laissez-le tranquille. Effectivement, Nec. On va faire ça. Donation du chien, ouais, super. Merci de vos dons. Merci Nec pour la donation. Merci à tous les donateurs du passé. J'ai pas tendance à vous oublier. Il est hors de question que je vous oublie, comme les abonnés, comme les follow. Voilà. Et les beats, ceux qui cheers et qui mettent des beats, c'est pareil. Merci à tous. Comme je le disais hier soir, soir 6. On est petite communauté, mais une bonne communauté, et ça j'adore. Bah non, Nec est chaud. Parce que du coup, on a comme tous les jours. Trader, en fait. C'est de toute façon, l'ordre c'est simple, c'est Alpha, merci, Bravo, Charlie, Doc, Echo. Echo toujours à la fin. Bon, on va se branler les couilles longtemps là. Attends, Strider. Ok, du coup, on fonce. Echo, vous restez avec Doc. Nous, on fonce. Bon, reçu. Il se passe quoi là-bas? T'as seul. Ce qu'il faut là, c'est de prendre. Allez, gaz, on y va, on s'en fout, on y va, on y va. 3 hélicos. Ok, on y va. On va tous en renfort, tous canal 1, s'il vous plaît. Test. Merde. Test. Tu sais France. Quoi? Je suis en mode coup par coup. Je go in game plus plus. Ouais, à tout de suite, Nec. Bah, tu peux rester sur le live, hein. T'es dans ma faction, donc on s'en fout. C'est moi ou j'entends rien? Ah, c'est normal, j'entends rien. J'ai pas de son. Normal que j'entendais rien, j'avais pas de son. Ils sont où? Bah, je sais pas où ils sont. Non. Ils sont. Oh putain, ils sont au nord d'Atira. Eh, j'ai pas de trousse, hein. J'ai trousse. Ça va pas trop. Salut. Besoin de foncez, foncez, les gars, foncez. J'ai les cieux. Pas juste leur tourner. Je vais mettre une trousse dans la voiture. Tu mesures combien, Kelvin? Je dis à vue de bouche, 16 cm. Putain. C'est vrai ça? Ça non? 16 et demi. 16 et demi, voilà. Et quand même, faut pas l'obliger. Merde. Mais elle est en repos aussi, normal. Elle est en repos. J'ai décidé de prendre la batteuse parce que hier j'ai fait un massacre avec ça. Ça va bien, mais il faut remettre des balles parce que ça relève aussi beaucoup. Hein. Parce que quoi? Ça se relève beaucoup avec cette arme, j'ai l'impression aussi. Il se relève? Ouais. Ouais, il se relève. Hier j'ai dû les terminer quoi. Viper pour Cobra? Malheureux, mais c'est comme ça. C'est un connard sur la position ou pas? Négatif, c'est des négociations courtes,
de renfort, on a une douche une frite. Une douche putain. Reçu, Viper, on a enfin. Bon, on va se placer un petit peu à l'écart, on va se poser en snipe. Hein. Ouais. Tu as un RPS, tu as ce qu'il faut. Tu vas montrer tes talents de sniper. J'ai entendu dire que tu snipais. Ça arrive de temps en temps. On parle de. On parle. Est-ce que tu trouves que je suis un thug? Ah, une brute. Une brute? Je suis une brute, c'est ça? Ça fait longtemps qu'on a pas arrêté les petits packs et qu'on leur a fait un peu de. C'est vrai. Peu de cheval. Tagada. Oui, ça fait longtemps qu'on a pas fait de Tagada. Il arrête de fouler, c'est parti après le Tagada. Bon, allez, ce soir on fait du Tagada. Sûr. Packs qu'on joue à bon, on fait Tagada avec. Je suis un thug. On se fait chier avec. Avec le Strider Elite ? Non. One eternity later. C'est énorme. J'adore. J'adore mon nouveau jouet. Quoi ? Hein ? Pas ton nouveau jouet. C'est le stream deck, cadeau de ma communauté. J'adore. Vous voulez qu'on vous tire ? Comment ça tu veux les tirer ? Pour une corde, on les tire. Ah. Ouais, c'est tout. Kilomètres. On va arriver, le combat il aura déjà commencé, il sera terminé. C'est ça. Ça va s'arrêter. Finalement on va arriver BA. C'est énorme. Ah dis donc, il y a mon micro là. Hop là, on va plus. L4 à gauche. L4. Ça, ça va nous chercher ça. A tous, 2 DD, on a un L4 avec tireur sur le banc sur notre position. C'est reçu ? Ouais, ils sont trop loin. Fais une longue CP. Si, en voiture tu l'as. Pas sur celle-là. Pas sur celle-là ? De Sneed pour tous, on a un L4 avec tireur sur le banc qui nous suit. Terminé. T'as vu que j'ai la longue dans la voiture? Bah oui, t'as la longue dans la voiture, bordel. On parle de la radio. T'as vu, je suis un peu bête. Non, t'es pas, t'es brigadier. C'est pas vrai. Non, c'est pas pareil. Faudra un lance-roquette pour les hélicos, hein. C'est clair. Des fois. Allez, on en avait un, mais ils l'ont enlevé. On en avait un, mais ils l'ont enlevé, ouais. On avait un sniper qui faisait 3 km de long. Quand tu t'accroupissais même derrière les montagnes, on le voyait. Ah, on se met pour Doc. Tour du bijoutier. Un message à la sécu pour demande de PMA au cas où. Cherche... En fait, l'hélico, il cherche la PMA. Si tu peux envoyer un petit message, on sait jamais ce qui peut se passer. Ok, le L4, il cherche la PMA en fait. Je t'en remercie. C'est bon. Dis-leur de pas mettre la PMA autour du bijoutier, il y a l'L4 qui les cherche. A tous, mettez pas la PMA près du bijoutier, il y a le L4 qui roule autour. C'est bien après, super vite. On va arriver, ils sont tous morts. De Bibi pour Sierra Libre. Vite, très
assez long, hein. De Bibi pour tous. Allez. J'ai sur ma position, niveau banque, une barge avec deux ifrites dedans, deux L4 qui se dirigent sur banque. Reçu. 18 reçu. Demande à tous information sur site, s'il vous plaît. Allez, parlez de Pandoc. Putain, on va encore faire une banque ce soir. Je me suis toujours demandé comment combien tu mesures, Sine. 1m70. Oh putain. Tout le monde sur 1m70. C'est comme tout le monde sur 7 pieds. Putain, j'ai jamais vu un tas de merde aussi haut, Sine. C'est exactement ce qu'on disait aussi à tous les mecs qui sont en prison. Je par une petite tatane sur la crâne là. Comment ça, 1m80? Tu vas faire les mentions. Je fais 1m70. Oh putain. Information sur site là, code rouge, code noir. Négatif, code rouge. Reçu. On est actuellement. A tous, pour information, surtout CPA, L4 au-dessus BA. L4 au-dessus BA. De couleur sable. Code bras force, on a affaire aux affranchis et du coup, il peut avoir des informations très importantes pour nous. Est-ce que je prends le risque du ces informations sont vraiment importantes, on peut peut-être les laisser. Ou alors, dans tous les cas, il y aura code noir et on tapera. Parce que bon, si les informations sont importantes, ça peut être intéressant. Ah bah, affirmatif. Et dans ce cas-là, il faut voir avec Syrah les informations pour qu'il les confirme. Reçu, je fais ma position. Putain, ils ont faim ce soir, ça va être une soirée chaude, hein. À tous, je sais pas si vous avez reçu la com longue, mais une banque se prépare également. Hein. C'est reçu? Tu m'as reçu? C'est reçu. Négatif, vous faites pas venir la Syrah sur place, ils gardent leur anonymat, vous transmettez par radio les informations. Ouais, bien. Mais ils sont à la prison, donc hein, on va un peu faire une fois. De Bellic, j'ai la douche cassée sur ma position, je la lâche pas. Non, elle a lâché la L4 normalement. Ah non, attends, ça l'envoie qui est dans le mauvais. Canavo pour Scott. Putain, ils ont faim ce soir, les mecs. Canavo pour Rio. Regarde sur carte, il fait stone. Canavo pour Rio. Donc, on échange des informations qui paraissent apparemment importantes, nous ne viendrons pas les déranger sur leur territoire qui est la ville de Frigny pendant une semaine. Bien compris, monsieur? Ah, j'ai rien compris. Ouais, les mecs, ils veulent nous donner des infos. Qu'est-ce t'en penses, on les laisse tranquilles pour une semaine. C'est quoi cette info de merde là? Ouais, c'est sûr, en fait, les gens veulent nous donner des infos importantes. Pendant ce temps-là, on les laisse pendant une semaine sur Frigny avec leur full équipement. LOL! Non. Je pense que ça me paraît compliqué. Négatif. Déjà, ils sont avec une douche-ka, avec des armes lourdes. Il est hors de question que ça traîne sur le domaine du gouvernement. Dédé, comme je disais, nous, on a Pax qui est seul dans une maison, s'il faut. S'il faut, vous le gardez au chaud, celui-là. On reste à Tan et on leur dit de tous se rendre parce qu'on a collègue à eux. On laisse faire le négo, c'est lui qui décide. Bonjour, je me baladais tranquille avec une douche-ka. Non mais on va où là? Putain, j'entends pas la voiture, hein. C'est un truc de fou. C'est trop bien, mais c'est normal, c'est une Tesla. Ouais, mais j'avais compris. Oh, oh. C'est même dérangeant que j'entends pas la voiture. Donc 3 jours, monsieur, on vous dérange pas si votre information est vraiment importante et si tout se passe bien, on pourra en discuter, c'est ça? Salut Omega, comment tu vas? Merci pour ton follow de cet après-midi, mon petit père. Merci à toi et bienvenue. Je te l'ai pas dit de vive voix. J'ai vu ça sur mon petit téléphone tout à l'heure. Merci à toi d'avoir follow la chaîne.
Rejoins-nous aussi sur YouTube pour voir les lives d'aujourd'hui et les autres lives. Et sur Discord pour nous rejoindre, pour jouer sur d'autres jeux en communauté. Merci à toi et bienvenue. Transmet. Info sur les négoces. On est en train de chercher un terrain d'entente. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. C'est reçu. Oh, t'as réussi avec la musique. Ouais, j'ai tout réussi. Ouais. Tout est fait, tout est fait. J'ai commencé en train de monter. Je suis en train de faire le montage vidéo. Il change de flac. Alors, pour information, ma femme m'a fait à manger et elle me l'amène sous le PC pour que je puisse vous faire un live. On dit merci qui ? Merci Blob77. Merci d'avoir rejoint la famille. Non, merci. Donc quand je vais prendre une grande bouffée, bah, je vais récupérer un de leurs gars. Je vais enlever ma cam en fait. Le mec en tout cas est en fall, donc essaye de prendre des ordres. Je sais, il essaie de récupérer le mec dans notre véhicule, mais dans notre bâtiment, mais on l'a bloqué. Il va sortir du bâtiment. Bon, je vous quitte webcam 30 secondes. Je prends que je mange. Comme ça, là, voilà. Info négo. Je mettrai pas dans la tour. Il va essayer de descendre dans l'appel, fais gaffe. Canam. Il va essayer. Bah, on pourra pas le bloquer là. Ouais, il va essayer. Il essaye maintenant. Là. Ok, il est descendu en rappel. C'est bien pris. Sur ma position, LS6. Pour la tour ou pas? Ouais. Pour toute attention, deuxième point, ESMA, mise en carte. Ah, vas-y, hein. L'équipe dans l'air, si vous voulez qu'on fasse quoi? Rien. Ok, deux dans le dans l'ifrit. Ah, il a lâché son pote. Ah, merde, trop tard. Ah, ça vient de Kelly, annonce. Kelly, je sais pas quoi. Y'a plus personne dans l'ifrit? Ils sont deux. Ils étaient tout seuls, ils sont passés à deux. C'est bien pris. Hyper Alpha, on est de retour. C'est bien pris. Info négo, Scott. Scott, on t'entend pas. Est-ce qu'il y a des airs de poser qu'on doit faire attention ou pas? Ah, fille, on va descendre 4. N'oubliez pas qu'il y a un banc en préparation donc Encore. Ouais, apparemment. Ça a pris l'ARS. Pas de noir enclenché les gars, faites gaffe hein. Tout ce cas. T'as pile pour quoi de noir là? Bah y'a tout ce cas qui a pris l'ARS. Va directement sur Attirant, y'a deux essences. Non c'est pas un code noir. Alors kill pour tous, s'il te plaît les infos inutiles, a pris l'ARS, ok. Canamo pour DD. Quoi? Donc là pour les négoces, le monsieur son info était complètement inutile, il a rien donné d'intéressant. Le monsieur a dit, oh, d'ici 3-4 minutes je vous en donne une autre. Donc, non, négatif, tu gagnes pas du temps, c'est terminé, ouais, tu lui dis qu'il dépose toutes ses armes, sinon ils seront arrêtés. C'est bien pris. Dans Scott, le 2, vous prenez le L4. Sur position, la L4, la touche qui a essayé de réparer, ils sont placés là. La fille, je les ai en visu, je peux les abattre, y'a un souci. On est à combien de mètres là? Pour tous 150. Ça écoute. Apparemment, il y aurait un coma sur la banque, dans la banque actuellement.
ça nous arrange. Reçu, tant mieux. Scott, donc tu lui dis que le monsieur sera arrêté si s'il se rend pas. Affi. À partir du moment où je dis qu'il sera arrêté, c'est l'assommant. Négatif. Non, négatif. On n'a pas sa mort là. À partir du moment où vous menacez sa vie, c'est une somme. Bloquez la douche, là. Si un dragon peut garder le L4 en visuel, hein, parce qu'il va sûrement revenir, hein. Il est juste là, là sur ma pose à ma droite. Tiens, reçu. Putain, t'as le L4 à ta gauche là. Ouais, s'il vous plaît. Vous me recevez de tous? Pas de Scott. Ils auraient deux otages apparemment de la police. Un quoi, non? Ils auraient deux policiers en otage. On peut voir chef des membres des escouades là? Faites un check. Le dragon 2 dans l'L4, il y a deux civils, je crois. Cobra, tout va bien. Affirmatif, c'est dragon 2, deux civils dans l'L4. C'est des civils, c'est pas des flics. On est tous là de toute façon, hein, donc. Momo inverse les pseudos. Bien, du coup, on a tout le monde. Affi pour la police. Affi. On peut attendre le mec sur le négo, sécu, et ils peuvent pas tirer si on le cache derrière le VL. Vous serflex et c'est bon. Ok, vous confirmez la présence des otages sur l'hélico ou pas? Annuler L4 jusqu'à cette position. L4 noir? Dans L4 noir, il y a deux civils à l'intérieur. Il me confirme que c'est bel et bien des policiers et non pas des civils qu'ils auront en otage. C'est pas des policiers. Non, je sais que les policiers sont sur nous. Viper, faites une vérification chez vous. Tout va bien chez nous. J'ai compris, tout va bien. En fait, ils ont cru que c'était des sirens, mais en fait. Ouais, mais ils sont les sirens. On les complète, les sirens, les gars. C'est bien, on les complète. T'as pas bien fait. Donc y'a pas de policiers en otage. C'est des civils. Des civils. Un sirène avec moi, la Rapidos. Affi, je suis là. Et on réitère, c'est à ce que paraît, c'est des civils qu'ils ont en otage. Salut Narelios, comment tu vas? Donc ils ont deux otages en... Ils ont deux otages en fait, civils. Vu que ma manette, elle est branchée. Pour, bah en fait, ça représente les boutons de la manette, en fait. Les sirènes, dispersez-vous, mettez-vous en place. C'est pour ça. Comment tu vas, Narilos? Bon, de Bellic, on Viper, bravo là, on lâche pas la douche K. Hein. Tu tankes un occupant en priorité. Hein. Jeff, est-ce qu'on a déjà des TE posés? Négatif, je crois pas. On est posé dans la tour. Il y en a un nouveau pour Earth. Ouais, ils vont prendre la Earth, la douche K. Ah mon cher Zen, bienvenue, merci d'avoir follow, c'est bienvenue sur Springfellow TV. Je t'invite aussi à t'abonner sur YouTube pour voir les lives que tu as aimé, ce live là, et sur Discord pour nous rejoindre pour jouer en communauté sur d'autres jeux. Merci à toi d'avoir follow la chaîne, bisous mon loulou, bienvenue. On dit bienvenue. Donc les deux otages sont dans le L4 noir, ça. Affi. Donc ils peuvent pas les buter. Neg. Il y en a deux CEPA qui sont là pour prendre l'L4 en poursuite si jamais. Merci. Et au niveau de la négo, vous tournez en rond là du coup. Ok, il a pris la Hers. Ils ont pris la Hers? Ah fait. Ok, on a jusqu'à qui a pris la Hers les gars. Tant que les L4 se posent pas, ils peuvent pas buter les otages. On bloque la douche K des deux sens. La douche K a pris la Hers là, ils sont deux immobilisés. Bah vous l'entourez. Allez, go tout le monde sur nous. Les Syrah vont rester en place, Est-ce qu'on descend des VL? Mettez leur la pression, descendez. La pression. Ils sont en train de partir, ils ont peur, ils partent en courant. Allez, vous faites les soma oral, s'ils partent, ils seraient abattus. Calmez-vous, on avait trouvé un point d'entente. Arrêtez de crier dans la radio s'il vous plaît, merci. Ils ont deux otages hein. Ils sont dans le L4, ils peuvent pas les abattre. Les otages qui sont dans le L4 qui pourront pas se faire abattre. Vous
dégager, j'en ai un visuel si vous voulez. Négatif, on fait d'abord les somas les gars. Je peux le rush Tatan. Le mec ils sont face rush. Je répète, ils sont 4 dans les frites. 4 dans les frites. Allez, reprenez vos véhicules. Est-ce que je tatane le mec sur le négo? De toute façon, DD, j'ai une salle pour DD. Transmet. Ils sont des otages, donc soma fait. Hein. C'est reçu, mais ils ont pas vu sur son collègue. Mais les gars, s'il y a des otages, la sommation est faite. Les gars, faudrait peut-être récupérer la douche, non? Quand vous voulez, on soma fait. Mais la première priorité, c'est la douche K, les gars. Clean tout le monde, clean tout le monde. Donc pour info, la douche K est immobilisée, ils ont plus de douche K, ils sont 4 dans les frites. Et bien aussi. Du coup, on peut engager? Dites-moi, déjà mal les frites. Quand donnez-vous, vous en abattez le plus d'un coup possible. J'en ai deux en visuel là, deux en visuel, nous négociateurs en caché dans une maison. Préparez-vous. Il y a le les frites. Et c'est bien, lâchez pas les 4 hein. Par contre, ils sont 3 dans les frites. Préparez-vous, ils sont 3 dans les frites. Je suis prêt. Attendez 2 minutes, je suis pas prêt. Je suis à découvert de ouf. Le mec Dédé, il a visu sur moi. C'est bon, je suis prêt. Dédé, on veut confirmation qu'on peut tirer. Bah, allez-y quand vous voulez. Code Nord. Il a débuté les otages, ils vont buter les. C'est pas, vous gardez. On lâche pas les 4. Focusz les frites. Les frites se barrent là. Dans quelle direction? Ah oui, je vois. Côté forêt. Le mec Nego est mort là. Il frite sur position Redfield. Neg. Ah bah tu. Il est où le mec Nego? On a décollé Gotter hein. T'as gaffe, il y a une position. Il frite full corps là. C'est où le mec Nego? Dragon, prenez les frites là. C'est nous le son équipe. Y'a pas de Hers dans la ville là? Normalement plus, il me semble, faites gaffe quand même. Merci. Info sur le mec qui était sur la Nego. Les frites reviennent, je suis perdu de vue. Les frites, les quelle direction s'il vous plaît? Côté fort. Reçu. Là où je suis, on va te mettre un centre. De Bellic, je vais essayer de réparer la Douchka. Bien joué les frites! Viens, Nick, viens. Jusqu'à en réparation. Calmez les coms les gars. Il reste du monde dans les frites, faites gaffe. Négatif. Ah si, encore un je crois dans les frites. Poussez-vous, je vais tirer. Encore un dans les frites. Cartez-vous de CPH, je fais un. Il est sorti derrière. Il est sorti. Coma. Reçu, bien joué. Il manque les L4 sur les maisons, les gars. Dragon, une fois que les frites étaient, vous venez avec nous sur l'L4, vous lui tirez pas dessus, les otages dedans. J'ai des balles dans la route. La Douchka est réparée sur l'L4. De Bellic, la Douchka est réparée. Oh, le putain de silence humain. Est-ce qu'il est blessé, les gars? Le dev, je soigne. Kazé, il faut qu'on se regroupe. J'ai reçu. A tous de DD, faites attention à vos coms, s'il vous plaît. Le snipe pour DD, tu peux m'envoyer les clés de la voiture, s'il te plaît. Oui. Ok, de Cobrado, on se fait tirer dessus. Tireur isolé. Où ça? Position. Sur Gambino, On a un tireur à peu près à 300 mètres dans mon PM. Mettez une zone sans carte. Je me suis réveillé durant. J'en ai besoin d'aide. Claque ta valise, je me fais shoot. Douchka, je me fais shoot. Gambino, claque ta valise, ça va bien. Dans la ville encore, c'est dans la ville. Fais attention, il l'a rejoint. Dans la ville ou dans la forêt? Ah, si. Du roi. Je suis réveillé, mais venez pas sur moi, il avait visé. C'est un hôtel, on est d'accord. Afi, il y a les otages à l'intérieur donc. Je sais pas. Belle au-dessus de Bellic. Afi, j'ai besoin de toi en tant que tireur dans la Douchka. Ok, t'es où? Je suis derrière toi. Du coup, Jeff me dirige direction la PMA pour essayer de sauver un des packs. Afi, je suis aussi en direction. C'est avec. C'est quoi cette arme là? Un blessé policier. Ouais, sans rien. Arme enrayée. Essayez d'extraire un maximum de packs hein, si vous pouvez. Tu m'as vu, Maxime? Les gars, est-ce qu'on a des informations sur les packs qui sont dans la ville? Négatif. De Dragon 2, si vous arrivez à soigner des packs, on peut négocier leur vie contre celle des otages. Hein. Effectivement, vous me les soignez, vous savez pas, c'est une très bonne idée ça. Je sais pas qui l'a prise, mais bravo. Marco, on faut sur toi. Dragon 2.
Là, je me suis fait shoot par un tireur. Ouais, c'est dans la forêt. Dehors, Douglas, c'est dans la forêt. T'es encore en vie? Ouais, dans la forêt, je pense. Ok, vise la forêt, Maxime. Je suis derrière et ça shoot de la forêt. Je répète, Bowman, Odor, Douglas, vous êtes encore en vie? Ok, on a le négociateur du coup qui était avec moi qui retranchait dans les bâtiments que j'encercle sur la zone en noir, au sud de la ville. Je reviens. Ils sont tous les trois décédés, faudrait faire un changement de rapide. Fais gaffe, le tireur avait vu. De là, Odor? Ouais, Kevin? Ouais, puis je regarde un peu où c'est que tu peux être. Banque. On finit ça. Bah non, ça je crois. Bah non, on finit pas, non, on se casse, les gars. On se casse. On se casse. Les sont communs, on les prend pas. Bah si, si, les collègues, oui. T'as plus de balles dans un douche-cas? Les trois collègues sont communs? Allez à tous, on lâche. Ouais, il faut faire une com au mec là. Mec, t'es où? Je suis là, t'inquiète. On a un nom ou pas? Kerry, c'est tout ce qu'on a. Désolé les gars, j'ai oublié de faire mon boulot d'ami. Prenez la touche K hein, et vous la ramenez hein, la BA. Je l'ai de Belk. Est-ce qu'il y a toujours un connard du coup là? Bon, ok, moi je veux une escouade de 4 avec moi sur la banque. Je vais tester une nouvelle méthode. J'aurai besoin aussi d'une unité CPA. On s'équipe parachute et armes lourdes. Tous nos blessés ont été extraits? Ah, fille de Jeff, j'en ai deux à son impôt, je les emmène à PM. Bien pris, je reviens sur PM du coup. Un grand 2 pour CPL. Essaye de leur mettre au moins les garrots, Jeff. Transmet. Tu veux que ça soit qui Salut Monster, bienvenue. Comment tu vas? Bienvenue. Allez-y, nous on va spotter. Et mon loulou? Ah ouais, loulou. Là, il n'y a pas follow lui. Mon loulou à moi. Là. Ok, je prends. Affi sur PMA, mais. On va prendre 2 MK. Pas de soucis, Trunks. Pas de soucis, mon petit Trunks, t'inquiète. Sauf pour tout, parce qu'on a encore des blessés. Je prends ça pour un nom. Approche-la, prends ce qu'il te faut, garde. Tu vas venir avec moi, toi. Tu sais sauter en parachute? Bah oui. Allez, c'est bon, tu remplis ton chargeur, tes chargeurs. Présente tes cobras, habillez-vous en lourd et on se retrouve au mur de l'espace. Ça. Éteignez vos phares, s'il vous plaît. Prends ça, on s'en bat les couilles. C'est horrible ce que je vois. Jamais où la 12-4 de Belek? Ouais. Il
barre dedans. Je dois avoir assez de chargeurs. Hein. Salut, ça va? Dédé? Ouais. La Djuska, là, on pourrait pas la prendre pour tirer sur leur Zifrit et leur L4? Non, on n'a pas le droit. Et si on en prend une à nous? Ah, bordel. Ah, fou. Ouais, bah, tu vas te faire shoot d'une balle hyper rapidement. C'est trop à découvert en fait. C'est bien, mais le truc c'est que t'as aucune vie pour te protéger. Quelqu'un peut me sortir des balles de Faith 7 s'il vous plaît? Je peux t'en sortir, ouais. Est-ce que un gentil supérieur pourrait me sortir une SIG 556 ou pas? C'est dans ton shop? Non, mais vu qu'on en est pas. Ouais, et alors Scott, tu prends les morphines et tout pour nous? Et alors? Ouais. OP ou pas OP, les gars, vous avez un shop, les gars. Mais ils peuvent aussi demander l'équipement supérieur pour les OP. Après, faut que les lignes des SWAT soient d'accord. Voilà. En gros. Ah, moi je suis en assurance, c'est pas grave. Combino, moi je viens là, viens dans la salle. Si on a deux, on a un Ifrit à la BR. Sérieux? Sinon, ça sert à rien qu'on se fasse chier. Moi je suis merci. S'en fout, lâchez, venez à la BR. Tant qu'il vous suit pas, tout est. On l'ignore. Les gars, la BR elle est grande ouverte, fermée quand vous rentrez, merci. Faites quand vous voulez. Je m'en branle, faites comme vous voulez. Moi je vous ai prévenu. Une cible, Dédé. Ouais. Alors attends, c'est lequel? C'est celui. Attends, je vais le prendre lui, tu vois. Allez, Marco. Faut juste retirer. Pardon. Et merde. Pardon. Oh, damn. Les gars, de l'autre côté, il y a un autre panneau. Ouais. J'aurais besoin de balles de lynx s'il y en a qui peuvent m'en déposer, ça serait fort appréciable. Pas dans le coffre Je veux bien une arme lourde si quelqu'un peut me. En fait, c'est le sec assaut. Attends, je sais pas si c'est le même. Attends, t'as pris le sec assaut, pas celui marqué P4, c'est celui pas marqué P4. Sec assaut noir comme moi, tu vois, pas celui marqué P4. C'est quoi le exact là? Attends, on le voit pas en entier. Sec assaut, justement. Commandant, il serait possible d'avoir une arme lourde, s'il vous plaît. Alors là, du Roy. Tu vois, c'est avec ton chef d'escouade. Sec, c'est encore en dessous des H1. Sec, c'est celui qui a marqué sec assaut et du P5. Ok, c'est bon. Bougez vos tanks là, ça va pas le faire. Mais je t'en prie. C'est bon. Je sorte mon VL, moi. Mon VL de type. Et tu pourrais me sortir un petit normal. Je peux pas, non. Tu vois ça. Ah, bah, je crois qu'il y a personne qui va pouvoir. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Possible d'avoir une MK2. Enfin, c'est trop long, les gars. T'as besoin de quoi? C'est vous. Ok, tant pis. C'est qui voulait une SIG 556 là? C'est Scott. Ton chef d'unité, il est à peu près pour ou quoi? J'en ai une là, si tu veux. Moi je suis un peu marksman, mais vas-y, je te laisse du coup. Ok, bah prends-la, dans le camion. Je comprends pas que vous êtes dit aller écouter. T'as pas droit à tout l'équipement ou pas là? Mais j'ai pas le droit de prendre M3. Ouais, ouais, t'as pas d'information que. Ouais, c'est ma femme, Master. Elle s'éclate comme elle peut. Dans sa formation de TE, tu peux avoir un TE? Ça va, vas-y. Au commandant, il serait possible d'avoir un armement lourd. Tu peux pas passer à Judo? Regarde dans la caisse. Ah, c'est cool. Va voir avec ton chef d'escouade. Du coup, on a tous le même. Ils sont tous brigadiers, personne n'a de. Ah, bah ça, les gars. Je n'ai que toi en parachute DD ou pas? Moi, c'est moi. Ouais, tu vas venir avec moi, Nek. C'est moi. Bellucci, pardon. Qui voulait une MK200? Il vient vers moi rapidement. Moi, c'est moi. Ok, avec moi, je veux Sneed, Bellucci et un quatrième. Odor? Ouais. Bah vas-y Odor, je viens du coup. Allez Odor, allez. Ouais. Non, Odor, il faut du monde avec les recrues. Faut faire une lessive. Ah ok, ouais. Bien pour les unités, si on va passer canal 6 temporaire. Ok, lead Viper de DD. À l'écoute du coup. Tu me fais un topo rapide des unités que tu as, des grades. Alors reçu, je me pose vite fait, je te fais ça dans 2 minutes du coup. Ok, reçu. Cobra, vous êtes combien vous? Cobra, je crois qu'on est 6. Reçu, donc 7, ça vous fait 2 fois. 8 théories. Ok, très bien, donc ça fait 4 fois 2. Afi, mais nous on y va pas, on y va pas en strider. Hein. Ouais, je sais, je suis au courant, merci, ouais. Prends-moi pour un idiot. Fais comme hier, on passera pas de la pièce. Pour tous les Vipers là, vous mettez devant au mur s'il vous plaît. Pour tous les Cobras, okay. Que vous mettez hier en position et au mur, il arrive.
Ok, ok, ok. Ouais, ah, vous mettrez le mur une fois que vous êtes prêts. Faites-moi un peu une liste de ce qu'il y a là, du coup. On est que trois, Bellic, on est que trois. Toi, moi, Douglas, East, il est avec Redfield. 1, 2, il est déjà avec le doc. Donc on est que trois et les autres qui sont en parachute. Ok. Cobra, vous faites du saut en parachute? Négatif, on va se poser avec le Huron dans le sud de l'île. Ok, bien reçu. Bon, à tous, vous m'écoutez là? Je vais former un commando parachutiste. On va nous larguer à 2500 mètres d'altitude et on va arriver au niveau du château au cas où il y a un TE. D'accord? Une fois que les Striders seront sur l'île, l'objectif numéro 1 c'est le château. Une fois que le château est clean, nous on saute en parachute. Reçu? Ça va être long. Concernant les autres Vipers, vous prenez chacun un stride et vous nous rejoignez sur l'île. Reçu? Reçu, donc on se met un par strider, c'est ça? Un par strider en attendant et vous nous récupérez sur l'île une fois qu'on sera en place. On va essayer de neutraliser un maximum et sécuriser le château. Reçu. Du coup, Yoyo, tu me sors un hélico? Pour ma part, je reste avec le commande, le major, mon commandant. Ouais, donc Bellic, Sneed et moi on saute, les autres vous prenez des strides. Ah c'est bon, tu peux ranger ton VL, je te remercie. J'ai des balles, mon pote. Vous êtes équipé, c'est bon? Ah c'est bon, je peux partir. T'as ton parachute devant, Belgi. Ouais, je sais, c'est pas exprès, je vais le faire. Ah. Oh, j'ai 800 balles. Info? C'est quoi cette... C'est devant la BA. Les shoots. Ouais bah on a pas le temps là. Allez on se casse. CPA vous êtes parti? Nick, on vous attend. Nick pour maman. Affi. Viens sur. Allez, faut qu'on se dépêche les gars, 3 minutes 45, c'est trop long là. On devrait déjà être sur place hein. Odor, tu vas sortir un straight. Ah, du coup est-ce que East il en prend un quand même parce que comme c'est mon binôme. J'ai les trois, c'est bon, on peut y aller. Bon. Non. Il manque Odor, non? Il vient. On peut y aller, c'est bon? Il est en stride, ouais. Odor pour DD. Attends, il parle, Odor. Transmet. Dites-moi, vous êtes armé comment? Est-ce que vous avez des boucliers ou faut que je mette toutes les reflets avec des boucliers? Non, bon, tu mets des boucliers dans les strides. Ah, reçu, mais je pense pas mal. Bon, allez à tous, vous maniez le fion, s'il vous plaît, il reste 3 minutes 05, on devrait déjà être sur place. Vas-y, monte en altitude. Je vais tirer le camion qui bloque le parking, les gars, s'il vous plaît. Vous êtes où? Du coup, les deux médicaments sont un château. Strider chacun? Derrière le château. Mais ouais. On peut pas, là, il y a un camion qui bloque. Trois striders, ça suffira, sur ce coup? Affirmatif, on est trois, donc on remontera dans les striders sur le château. Bien pris, moi, mon. Ouais, mais attends, ça fait 3. Ouais. Vous êtes combien restants là? Ah, on est 4, mais sachant que moi j'ai mon collègue avec moi. Donc ça fait 3, ça fait 2 striders, ça suffit. Nickel. Parfait, vous avez eu le message pour la PMA. La fille, je t'ai mis en rond. J'ai sorti votre camion à l'entrée, tout le monde. Faudrait que tu sois déjà en haut des collines. Bah, c'est à John Dimmel. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et John, je crois qu'il est parachute. Dimmel, c'est plus fort. Ah, c'est logique, merci, il connaît. J'arrive. On a aucune info en plus. Bah vous laissez faire, faudra vérifier s'il n'y a pas de bateau. Hein. Ok. Donc l'objectif ce sera les MK10. Hein. Oh tu sais ce qu'on va faire? On va sauter sur les MK10. Tu veux. PMA ouais. Ok, ils arrivent pas. Non, tu vois, non, mais non, on se passe pas en appel. Viens en rond vers là, entre les MK10. Ouais, faire attention. Il est où ton rond, je vois pas. Il est petit sur la plage entre les deux. Les trois, il y a déjà les MK10 que je vois là sur le point. Ouais. Tu vas sauter là, ici, là, environ là, tu vois. Tu mets au tampon? Tu vois, le rond noir. Bah la bombe explose de la bombe en fait. Oh la télé où? Ah, tu es le rond là-bas.
Ouais, et on remonte la rive et on défonce, on se positionne au niveau de. Il est au phare. Enfin, faire gaffe à la tour. De toute façon, on va pas pouvoir faire grand chose dans l'enquête. Fais-moi une com longue, on est dit au Strider de venir sud de l'île et pas devant la porte d'entrée, s'il te plaît. Le gars, je vais aller ouais, ouais, tu dis, tu parles à ma place. Quoi. De la part de DD, les Striders devraient se mettre au sud de l'île plutôt qu'à l'entrée. Il veut qu'on aille au sud depuis la mer? Non, on traverse et ils vont directement au sud. Ne pas avant la fin de la tempête. Allez, vite pour DD. On se met. Un bateau dans les Striders aussi, ça va pas être possible. Non, non, vous rentrez par la route principale et vous foncez au sud de l'île, nous récupérez. Le DD, non, vous rentrez par la porte d'entrée, mais vous foncez au sud directement. Bien pris. Il y a un VL, le château. Prends ta vis. C'est bien le château. Le pire DD, il peut passer par là. Hein, ouais, ouais, j'ai vu. C'est les MK10 que je vois en bas là. C'est vraiment une heure. Pas les MK10 non. Comme ça ouais. Je peux pas les voir quand t'auras pas mis contre ta en fait. Ouais. Je vais essayer de. En thermique, vous avez rien? Ouais, j'ai que dalle. Ok. On va se mettre. Ouais. Et on remonte. C'est bon, quand même. Essayez. Donc, les MK10, vous confirmez, ils sont au niveau du phare? Non. À l'entrée, là? Ok. Tout au nord, MK10. Bon, vous êtes prêts ou quoi? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. Allez, je vais mettre droit. Mais non, t'inquiète. Putain, je vais tomber dans l'eau. Bon, bah, je vais pas atterrir sur la plage tout de suite. Vous avez fait un peu tôt, en effet, ouais. On a pas eu le temps de se mettre en pause, en fait, CPA, donc... C'est pas grave. Je vais nager un peu. Voilà. Voilà, ça, c'est du parachute raté, les gars. Nickel. Putain, je pensais pas qu'il était si loin, moi. Ouais, c'est pas grave, on va nager un peu. Je suis pas loin, ça va. Ok, vous faites un cover dès que vous êtes au bord. Plongeur de combat, c'est pas grave. On va faire. Ah ouais, je vais nager. Un petit peu. On va remonter sur les éoliennes. Ma fille, tu causes repos. J'ai mis un point pour ton drop et un point pour le mien, on va se rejoindre en avançant parallèlement au niveau des... One eternity later. Aussi, hein, parce qu'on va quand même mettre pas mal éolien.
se poser un peu plus bas que ton point, parce que ton point, on était comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, pareil. Ouais, c'est vrai, en plus. Ouais. Ah, c'est pareil, moi je modifie mon point. On a un L4 aussi également là qui va nous spot, donc. J'arrive les gars, vous inquiétez pas, je fais ma petite nage quotidienne. Coucou tout le monde, coucou Dédé, salut Fanatic, comment ça va? Banque, ouais, banque, ouais. Petite banque. Il est juste au-dessus de notre position là, sur Sierra 2, sur Sierra. Je vais boire un coup, Dédé, t'as soif? Ouais, je vais boire ça après. Voilà, je vais le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait. Ah, écoute, Sierra, il a le kit qui est pile sur notre position, il est juste derrière. On est là. Coucou Infinity, comment ça va? Bienvenue tout le monde. Bienvenue à on tous. Là, ouais, par contre, n'allez pas vers nous, Jeff. Même en hélico, n'allez pas vers nous. Infi, je me décale, je m'éloigne. Tout de suite, Fanatic. On ne tire pas. Oh la vache, putain, j'ai l'impression de faire 40 kilos. Il était temps, hein. Oh la vache. Il avait chaud en plus. Allez. Allez au gaz. C'est parti. C'est parti. De Sierra 2 à tous, on a un Ifrit. De Sierra 2 à tous, il y a un Ifrit qui arrive sur la position de Sierra 1, de Sierra Lead. Ok, on attaque le Cadiz. Il arrive droit sur nous, hein. Allez, gaz. Ouais, allez, gaz. Strider, l'équipe Strider pour tous, on va s'apprêter à passer à travers et après faut on va. Flaguer, hein, faut le flaguer, faut le flaguer, tire, Boris, tire. Tire, Boris, tire. Tire. Il est où le Strider? Sur la colline là-bas. Ouais. Et on a un Ifrit sur notre position. Ok, viens, nous on continue là-bas. Nous. Dédé, il y a Snip qui s'est posé. Ok. Ma fille. Dragon, allez sur le monde de renfort. Ifrit
sur notre pose, on a besoin d'aide vite. On est là de Viper, t'inquiète pas, on a emmène-le sur nous, essaie de l'emmener sur nous, on a un lynx. Normalement, tu devrais le voir, hein. Tu devrais le voir, il est de votre côté en fait, il est entre vous et nous. Reçu. Nick, je le vois pas. Ah, mais non, il est de l'autre côté, je pense. Il est dans les cailloux. Donne-moi un azimut ou quelque chose, au moins. Cercle fait. Ouais, l'autre côté de la montagne, en fait. Tu peux avancer, il est concentré sur nous. Hein. Ok, on va le prendre par derrière, dans le bac. CPA, si vous avez moins de données, faut préciser du coup. Hein? Faut les azimuts, il serait dans mon cercle. Ah bah oui, l'autre côté de la montagne en fait. C'est un Ifrit ? Il est là-bas là. Ouais. On est en visuel, il est dans les cailloux derrière les éoliennes. Ok, reçu de Viper, on y est. Cilid, t'es avec moi là ? La fille, mais je te vois. Non mais c'est normal, de là où tu es, tu le vois pas, mais de notre position, tu le verras. C'est notre position actuellement, sous CPA. Flinguez-le, faites-le bouger. Stress pas, on arrive petit. Fais gaffe, on n'a pas visu. Actuellement il bouge, il repart en direction de la mer. Ok. En ce cas. Couvrez pour l'ensemble des unités, est-ce que vous avez besoin d'être sur position Viper? Affi, à tous les Strider Viper, venir sur notre position Strider. Est-ce que vous voulez que Cobra on se pose sur vous ou on peut se poser de notre côté? Négatif, posez-vous de l'autre côté, on a Strider pour l'instant. Bon, oui, vous êtes avec en... nous, on va essayer de traiter les frites. Reçu, merci. Reçu, je suis avec vous là. Par contre, prenez pas de risque les gars, qui je suis, il y a sûrement des TE placés, hein, donc Attendre au SNED. Ouais. CPA, vous avez toujours des frites sur vous ou pas? Affirmatif, il est dans la forêt actuellement sur notre position. On a un L4 qui va nous tirer dessus aussi. Merci. Je vois L4. En dessous de notre position, l'Ifrit. Ok, il est là. Il va arriver là. Cercle mis. Il bouge dans la forêt en général. Il bouge vers là où on va. Ouais. Ok. Et on va le laisser faire une pause parce que je pense qu'il... Celui-ci, Boris, si vous le voyez, vous l'allumez. De toute façon, on est cramé, donc. Cobra 8 pour Syrah. On peut pas le transmettre en longue, hein. Faut qu'il nous parle en courte. Hein? Il est à droite, là. Il est en ce moment. Cobra 8 pour Syrah. C'est qui le gros coup de lingue, ça? Transcuté. On est en hélicoptère, on a un L4 sur la gueule, on va pas pouvoir se poser sur l'île. Sud de l'île, on est. Qu'est-ce qu'il dit, il sera pour toi, hein. Négatif, il décroche, c'est bon. C'est qui fait la banque la Rampage ou pas? La fille, probablement. Faites gaffe alors, hein, CPA, il va vous attirer vers ses collègues TE planqués dans la montagne. Putain, je suis trop penché en avant, quoi. Tire, Boris, tire, mais tire, Dédé, tire, ouais, c'est ça en fait. Le stress, quoi. Faut pas trop de rugby. Bon, on a éloigné les frites, on se retape le L4. Ok. Reçu, prends un Ifrit et rejoins-nous. Un trader. L'Ifrit il revient sur nous. Tu me reçois Dédé ou pas? Oui, je te reçois, t'inquiète, je suis en train de faire le tour pour le prendre derrière. Ouais, il revient vers le rond que je t'ai placé en fait. Oh, il a cassé non? Ma fille. Négatif, il a pas cassé. Par version de Dragon 2, on lui a mis 2-3 balles dans le docteur arrière gauche. Il se redirige vers la mer. Il est sur la route, Cédric, droit devant toi. Ah, fille, je le vois. Cédric, c'est pour toi. Hein. On pose une R, c'est sur la route. On peut, ouais. Vas-y. Attends, il est là. Mais non, il est là. Place pour t'aider, Dédé. De Dragon 2, l'Ifrit actuellement au sud, là, à côté de la mer.
Ouais, on le voit, on le voit. Tire pas, tire pas, tire pas, tire pas, tire pas. Ouais, vu, 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 c'est bon. Il fait le tour. Tu vois, tu le rafales. Hein. Il remonte sur nous, je crois. Ah, s'il monte sur nous, il est là, toi. Hein. Bélique pour Douglas, tu regardes bien le trait rouge qu'il y a sur la carte, c'est là où tu feras ta traversée. C'est reçu. Putain, j'ai bouffé des Red Bull, moi. Je les vois pas, mais on le voit. Ouais, ouais, je le vois, je le vois. Reste, tire pas pour l'instant, tire pas, tire pas, tire pas. Ah, tire je me cache. Ouais, cache-toi, cache-toi. Il nous a pas tilté, j'ai l'impression, pour l'instant. Ah, il arrive droit sur nous, par contre. Je tire. Hein non, non, tire pas, tire pas. Tu tires que s'il vient vers nous, franchement, quoi. Ah, non, il se casse dans la forêt, il se casse. Snid, Deco et Frit vers le nord. Ifrit il se casse, hein, on a vu, je suis à côté de vous, équipe DD, etc. Il est dans la forêt, là. Je vous mets une flèche. Strider Viper, ouais. Là-bas, là-bas, là-bas. En 350. Ah, Ifrit revient, il est sur la route. La Bibi, j'ai besoin de me soigner, j'ai eu un petit souci. Ce que t'as à faire, reste caché. Il arrive sur nous. C'est Snip, de l'Est, il monte la colline. 3, 2, 1. Bon, Boris, etc., on bouge, on va aider des vite. C'est reçu. Allez, on bouge, les gars. Faites notre pause, là. Fais gaffe au snipe, hein. Ouais. Par contre, faites gaffe, il est sur nous, je crois. Vous avez encore visu, Slogy et... Afi, il remonte vers nous, là. Au rocher. Tenez-vous prêt, s'il vous dépasse, en gros s'il vient de mon côté quoi, s'il vous dépasse, vous le foulez, hein. Et tirez dans les pneus. Ah fille. Il monte, il continue là, il arrive. N'hésitez pas, hein. Neg, il fait le tour là. Après si tu penses que tu peux faire quelque chose, tire, mais bon. Essayez de prendre un visu propre pour tirer, quoi. Ouais, je le vois, je le vois. Attends, attends le bon moment, celui qui est sur les rochers, attends le bon moment. Par contre, vas-y, feu. Mais il est où? Il est là. L4 se crash, il y a eu un drop de parachute. Ouais, j'ai cassé le rotor, L4 est down, L4 down. Ils ont dedans parce que les parachutes sont pas. Hein? Il y a un drop de parachute. Ouais, L4 est à côté de nous, Syrah. Ouais, Ifrit, combien de parachutes vous avez vu, les gars? J'ai vu deux drops, mais ils ont pas de parachute. Ils sont communs dans la forêt. Okay. On s'occupe de l'L4 de. Il est où, Ifrit? Ifrit, il est sud de ta pente. Sous dragon, top de la côte. Dédé, est-ce que t'as un viseur en rab ou pas? Parce que j'ai. Tu veux quoi comme viseur? Syrah, est-ce qu'on s'occupe de l'L4 ou l'LRS? Négatif, Syrah, on continue de focus Ifrit. Alors, ah, non, j'ai pas. Par contre, vous, plus... si un outil flit rush les cadavres. Non, j'ai un DMS. Je sais pas si ça marche. C'est reçu. C'est bien pris en rush. Puis si vous pouvez finir les cadavres, allez-y, n'hésitez pas aussi. Bah, allez, on monte. Allez, on bouge, on bouge. Ouais, c'est. Donc, pour l'instant, on est bien. Frité sur toi, Johnson, du coup? Ah, si, on le suit là, on l'allume. Ok. Ok, on continue la progression de Viper. Hein. Ouais, de Syrah, on va essayer d'aller dans la forêt en dessous, nous, du coup. La Tyraline, on est juste au-dessus de la forêt, justement, on a visu sur vous. Je veux que aussi que vous ayez des visus sur les MK10. Bon, ça, on est trop loin. Non, mais unités véhicules ou héliportées. Dans mon unité, on va se diriger le long de la plage, direction les MK10 pour éviter que ça part. Putain, j'ai encore bouffé une Red Bull, je tombe à l'épaule, moi. Du coup, vous êtes en couverture de DD et nous, on est en couverture de vous, juste un peu plus. Ouais, ouais. Fais gaffe de pas te faire backstab, désolé, mais on peut pas se swap pour le TE. Non, on va... Ah, t'inquiète, c'est mieux qu'on reste comme ça, on a deux boubous qui sont en coordination et on avance trop. Ouais, ouais, faites ça.
J'ai presque envie de longer la plage en fait. Ils ont qu'un seul ifrit ou ils n'ont plus? Oh, faut shoot. On a des cadavres sur nous. C'était relevé. Ok. Max dead du coup. Ouais, allez au contact et foulez-le qui se relève pas. C'est reçu. C'est bon, je crois qu'il a son compte, laissez-le le pauvre. Bon les gars, vous venez là s'il vous plaît, là, on va longer la mer direction les MK10. On est sur tes côtes Dédé, on est à ta gauche. Si. Par contre, recoupez vers moi mes deux cocos là. On arrive, ok. Je vous attends dans les fougères. C'est pas vite pour le moment, personne fort. Ensuite, est-ce que vous pouvez me confirmer la tour armée sud, s'il vous plaît? Nord, pardon. Je sais pas si t'es en sud, c'est parlé en long. La tour à check, est-ce que c'est la tour 12? Y'a une discussion. Ok. La fille, c'est bien la tour 12 qui vous demande de check du coup. De Jeff, niveau de la tour 12, il y a tous les trucs ouverts, il n'y a pas de signe de vie dedans pour l'instant, à vérifier. Il y a des murs cassés aux alentours. Ah bah justement, c'est ça qui me fait peur. Pour l'instant, nous, on voit rien dépasser, on voit rien qui bouge dedans, donc on a... Je checker de mon côté, pareil, rien à signaler. Viper, comment vous en sortez comment? Négatif. Pour l'instant, 2. 2 sur, ok. L'aventure, c'est beau. Et on a... Cours! Je pense que je peux plus border Red Gull, hein, sinon je tombe comme un mort. Ouais, pas de soucis. Ouais, on check, et après on rattaque. Et tu veux passer par la tour ou on passe par la plage pour aller direct au MK10 sans se faire spot? Non, on va passer par la plage, hein. T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est quand même mieux. Hein. Ouais, pour l'instant, y'a pas de signe de vie là. Un bateau dans le ciel. Un bateau dans le ciel, ouais. Allez, continue. Parti. Le MK10 dans le ciel. C'est un bateau qui volait là-haut. Il s'est haut. Putain, j'en ai marre de rester comme ça, quoi. Oh.
nulle part, unité Jeff, du coup. Mec, j'ai pas de vie sur des packs, sinon je vous aurais informé, vous inquiétez. Fais gaffe que ça te pack pas le cul du côté gauche. Hein. Parce qu'on est tous, en fait, on est tous du même ouais, côté, j'avais pas fait attention. C'est ça, Jesse. Mais... Ah si, la Lille, elle est séparée en deux, il y a les combattants et les sneakers. Oh là, j'ai tombé dans l'eau. Oh, j'ai tombé coma. Ah, j'ai tombé coma. Allez, je profite de ma redoux. Prenez une morphine au pire. Dédé, crève pas! Faites gaffe, les unités sur la plage là, vous êtes totalement à découvert, ce nid des Bellucci. Beaucoup mieux, mettez-vous là, il faut. Et là, c'est mieux? Beaucoup mieux. Ma fille, beaucoup mieux. Allez, on fonce! Oh là là, cavalerie! Oh merde, faut que j'en prenne une redoute, j'ai peut-être une mais... Bah, on prend en pas. Je peux en prendre que dans 20 minutes, dans 25 minutes. Ah putain, c'est quoi ce délire hein? Allez les gars, 1,5 km. 1,4 km. Ça se fait super vite. Ça va, ça se fait en peu de temps ça. J'ai l'impression de courir derrière mon écran. Quoi. Où sont les parasols et les serviettes et les cocktails et la nulle? C'est, bah, c'est ça en fait. Mais où sont-ils quoi? Alors forcément des... Hein? Ce serait bien que j'en tue un rampage vu que j'ai leurs armes là. Je porte leurs armes. Ferme du chef donc ça serait marrant ça. Ce serait drôle. 1,2 km les gars. Dis-moi une question à te poser, savoir si c'est possible avant de bosser avec un bandit. Avant de me faire bannir, on faisait de la drogue. Le problème c'est que j'ai été banni maintenant. Ce bandit est policier mais il voulait me donner tout le reste de sa drogue avant tout. Comment on peut faire? Bah vous démerdez. S'il se fait gauler RP, bah il est dans la merde. Jeff, ah, t'as un médic de combat avec toi ou quoi là? Ah fini. Ouais bah dis te décaler sur nous vite. Tiens sur nous. Tiens Baxter, bienvenue, comment tu vas? Ça sert à rien de prendre des rats. Je cherche un radio du coup. Tranquille. Ça va tranquille, petite randonnée matinale. Reçu, reçu. Allez, on y est presque, 800 mètres. Je pense qu'on va pouvoir se mettre sur une colline. On prend la tour. Hein. Ah, mais nous, on n'a pas des longues portées comme toi, nous. 700 mètres. Alors moi je me verrais bien tu vois où je veux dire ou pas? Parce que là on est à combien là? 1135 mètres. Oh putain, on s'enfonce. On va se mettre là peut-être au niveau des cailloux là, non? 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 D'accord. Maxime, ça va ou t'es dans le coma? Non, non, ça va. Juste, je cours pas vite. Y'a ce gars qui m'entend là!
On va se mettre là ou là-bas en bordure, non? J'ai pris une balle de TE incroyable. J'ai comme un 2 packs épouf. Ouais, j'ai installé le deck. Tout est bien installé, tout fonctionne bien. Oh, c'est quoi ça? D'accord. Plus tard, vous savez quand Franck le Chani est là? Ah bah il va pas venir pendant un moment, hein. Mon petit Asgard. Mon petit Faux Joker. À tous de l'escouade parachutiste, on est arrivé sur le MK10, on reste en appui sur zone. T'as reçu? Négatif, on est en position pour éviter toute extraction. Reçu. Mais si vous avez besoin, vous en sortez de votre côté ou pas? Bah là, nous on traîne avec un trader. Tout seul? Affirmatif, dans ces cas-là, je pense qu'on va essayer de rejoindre Cobra de l'autre côté complet. Affi. Mettez-vous en appui sur Cobra. Est-ce qu'il reste des packs à l'extérieur de la banque? Pas d'info pour nous. On va prendre une position sur le tour. Du côté ouest de l'île, affirmatif. Côté est, aucune idée. Bien sûr. Il va essayer de récupérer le... Je vais prendre une ligne déjà sur le... Pour être prêt, on va prendre une position, on va attendre un temps. Il y en a qui s'est chargé, il y en a qui s'est chargé. En fait, on se fait. Dans les fumées, devant le trader, allumé devant le trader. Elias, j'ai un Ifrit devant moi si tu veux une armée. Ah, okay. Puis c'est si je prends un chasseur. Mais ça a l'air, il remonte mal Ifrit, il remonte mal Ifrit le mec. Après, il remonte mal caillou. Ouais, carrément mieux à l'RPS. Ouais. Et comment au niveau essence? Je suis dans haut, je suis orange, là quand je serai dans le rouge, on se pose pour prendre. Je suis pareil. Ah, ça demande un peu plus de temps. Du réserve. Allez, prends ton chiffre 3 quarts.
posé sur le frais, sur les frais. Il est à droite là, non? Azimut 230. Colline, sur ouais. Colline devant les éoliennes. Faut attendre. Non, faut un écho d'or aussi. Pour les débannes. Des fraises. Ok, la tour c'est clean. Des fraises coupées avec amour par ma femme. Salut Diego, comment ça va? C'est le pire endroit pour se mettre si tu veux. Pour mon unité dans la tour, prenez visu sur tout ce que vous voyez. Mais discrète aussi. Et touchez pas aux écoutilles. Ah, fille, ils sont deux dans les rochers. Ils sont deux. Plus dans les rochers. Jeff, tu me reçois? Affiche. Il va quand même falloir que tu m'envoies un TE à la tour. Il y aurait des chips, tu prends soin de lui. On peut pas les traiter, on bah oui, heureusement. Ok, si on a. Les traiteurs pour couvrir, on arrive en soutien sur vous. Le prix, ils sont en dessous. On s'échoute. Affiche, TE dans la banque. Ouais, on quitte la tour. Tout le monde dehors. Allez, hop, hop, hop. Vous pouvez sauter en rappel du toit si vous voulez, mais quittez la banque, quittez la tour. Je vais te prendre loin, tu me tireras. Ouais, les TE sont dans la banque. Et on peut pas traiter, c'est à toi de jouer, Jeff. Reçu. De la NVC, je suis content. Je passe à droite. Le policier mort de cavale, tu regardes. Ah, merci les gars. Ouais. Position exacte des packs. Dans la banque. Ils sont TE dans la banque en fait les mecs. Et on peut pas les traiter. Donc, je vous laisse la tour, on va bouger. Pour un policier, on va être en blanc le plus à gauche. Non, pas du tout. Mais j'ai déjà mon stop, j'ai déjà mon Discord en fait, Baxter. Mais non, ça me dérange pas du tout. Au contraire. Au contraire. Ouais, merci, ouais. Bon, les gars, si je vois que c'est chaud, on fait rien, on avance sur la banque. Hein. Ah bah oui, les gars. Il y a encore le temps de charger les camions. Pour Dragon, j'ai un véhicule qui arrive sur vous là. Et tu me reçois? Merci. J'ai combien qui arrive sur vous dans la porte? J'ai avancé à l'intérieur, mais je pense pas. J'ai pas compris la com. Ouais, mais y'en a un autre qui arrive sur vous. Attention avec un ifrit. Bordel là les gars. Ça peut se faire, t'es sur Mythique. Je vais aller sur Mythique en position pour vous. On a des pressions là. J'ai charrié, vous êtes bien. Là je mets encore oublié, il faut que ça aille dans le...
vas bien, Ced? Salut, le folie. Oh, ça va. J'étais dans l'eau, moi je viendrai vous récupérer après. J'en ai marre, je me fais loin du bout de la côte. Faites un peu d'apnée, ça fera pas de mal. J'ai presque envie d'aller. Et vous avez fait un changement de radio en fait? Oui, ça a été fait, mais le seul truc c'est que là, à l'autre côté de l'île, à notre opposé, ils se font défoncer. Ah. Donc en fait, nous ce qu'on fait c'est que là. J'ai mis une unité Sierra dans la tour pour faire pression sur la banque. Nous, on va l'aider de l'autre côté. Et si on allait crocheter les bateaux? À la limite, si. Ouais, vous pouvez faire ça. Hein. Enfin, comme Cédric veut, mais ce serait pas con de leur voler le MK10 en fait. Y'a un camion dedans en plus. Ah! À vous de voir. Ouais, mais on prend lequel? Les trois ou les deux? Bah, y'en a un où y a encore un camion dedans. Donc peut-être que c'est celui qui est déjà rempli. Ah, fille. Pas con. Non, il était déjà rempli de base. Transmettre pour. On se rejoint à la place. Ah, fille, là, non, viens aussi. Alors. C'est ça. Ah, oui, si je dépose, c'est que j'ai. Non, mais viens, je peux t'en faire du temps. Ok, ça va. Est-ce que la partie gauche de l'île est clean? Ah, fille. Sans toi, ok, c'est bon. Dédé, ouais, merde, ouais. Tu peux pas demander, regarde le tracé à côté du MK10 nord. Tu peux pas demander à un Strider qui fasse ça au pire? Bah, si, qui fasse quoi? Répétez, regarde le tracé bleu map à côté du MK10. Ah, tiens, pour le passage, s'il vous plaît. En tout cas, voilà. La banque, ouais, carrément, c'est 250 000 par lingot. Donc, 4 lingots, 1 million. Allô, on reçoit. 8 lingots, 2 millions, et ainsi de suite. Hein. Ça coûte un peu de pognon. Hein. Message supprimé. Hop, 250 000 par lingot. Ok, un hélico qui se pose, les gars, il est pour vous là. On transmet. Il y a un hélicoptère qui arrive, hein. Faites gaffe, un Hummingbird. Il se pose devant la banque. Donc ça va pas tarder, les camions. Et on a un autre Hummingbird derrière nous, hein, en train de survoler. Je courrais bien jusqu'au bateau où il y a le camion pour le crocheter là. Ouais, bah vas-y, on court. Donne ton lynx à Bellucci, au pire. Non, ça sert à rien, y'a pas de viseur. Ah. Essayez de vous bloquer, le Hummingbird revient. Yo, Rio, c'est caché, y'a un peu au-dessus de vous, on part en soutien lynx. C'est long hein, des fois. Ah oui, pas mal, ils ne peuvent pas remplir les camions autant qu'ils veulent. Il y a quand même une limite. Bah bien sûr qu'il y a une limite. Bien sûr. Un Lego, je crois que c'est 11 ou 12. Hein. Yo, t'as un visu sur le MH9 qui s'est posé devant la banque. J'ai aucun visu de la banque. Demande à Jeff.
J'ai vu sur le MH9, il vient de se poser, le mec est descendu. Et il est à la banque. Ok, pour information, on crochette les MK10 pour les balancer à l'eau. Jeff, dès que le mec il remonte dans son hélico, tu lui mets une tête. Info sur attendez, parce que là on se fait survoler depuis tout à l'heure par un Hummingbird, on aurait donné ses gars, limite pour le c'est peut-être Okai, c'est peut-être Okai, regarde en l'air, moi c'est dans un c'est sûrement Okai, justement, c'est pas Okai, y'a rien, y'a pas de position GPS, y'a rien. Ah, c'est confirmé, c'est pas que ce truc là. Je crochette le bateau, mais je crois qu'il est coulé, hein, il est noyé. Non, info sur la position du Ming à la base. Il est devant la banque et normalement Jeff a un visu, donc dès que le mec remontera dedans, Jeff... Ah si, ouais, j'ai un visu, mais faut que quelqu'un me fasse dégager ce putain de Hummingbird qui nous spot là, parce que tous les coups, il y a un mec dans notre bac qui veut nous faire... Ok, je vais voir s'il le dépose pas. Dédé. Apparemment, le MK10 sera en train de couler, donc comme on a dit, les deux autres, c'est ceux de secours. Tu penses pas qu'on devrait se placer là-bas? C'est un fil. Je rejette le camion à l'intérieur, le toucher le bateau. Je vais essayer d'aller gêner l'Hummingbird, que vous soyez tranquille. Il est au-dessus d'Okai, en dessous d'Okai là, si tu veux savoir où il est précisément le Hummingbird. Si on l'a. Médic pour Fischer, est-ce que tu reçois? Transmis. On va arriver avec le Strider, on va vous escorter. Ok. Tu me reçois? Ouais. Ton hélico, il est stuff là ou t'es juste spotter? Non, je suis spotter et j'essaie de trouver une fenêtre pour me poser, mais c'est pas facile. Fin de jet. On s'est pris des tirs, mets-toi à coup. FFI, ça venait sûrement de la banque, à mon avis. Ouais, il m'a sûrement repéré, il a pris d'altitude à le MH9. De toute façon, nous deux sur l'île, là, on est totalement, spotted, on peut plus rien. On est pas dans la tour, justement, on est en bas de la tour pour essayer de le cacher, mais le problème, c'est qu'on nous a... Vous allez vous faire rush, si vous allez vous faire rush, aujourd'hui, donc... Pour de l'autre côté de l'île, à le poser, il y a 3 ifrites, donc si les couilles vous êtes spoté, comme on est sur un spot, vous allez vous faire rush, on va essayer de vous aider, mais... Ouais, fille, on va se décaler un peu sur la droite en avançant dans le coup. Je vais essayer d'aller voir où sont les trois ifrites, je vais vous dire. Au niveau de Rio et Bowman. Ouais, ben ils me répondent pas, donc je sais pas s'ils sont pas communs et j'ai toujours les ifrites qui le tournent autour là, ils sont sur la plage, pas ce qu'ils font. Moi sur la. Le radio, vous lui avez envoyé le nôtre. Moi Ok, je vais regarder. Ouais, je l'ai à l'œil depuis tout à l'heure. Bah, je regarde, je vous dis si c'est pas que je. Allez, lui donnez pas des idées comme ça, les gars. La dernière fois que je lui ai donné une idée, l'enceinte.
Ils en sortent comment à l'ouest là? Affirmatif à Lumberg, c'est bien du bac. Est-ce qu'un slide peut me récup, s'il vous plaît? Info sur la film. C'est nous. Une nouvelle radio. T'as visuel, Jeff? Affi, changement. Tu me reçois, c'est... Pas Affi, ouais. Une question. Quoi? Oui, on est sur nouvelle fréquence. Qu'est-ce qu'il nous fait trop? Il y a le Strider et les frites qui s'approchent de vous. On a les frites qui arrivent. Ah, si, j'ai les frites. Jeff, on est technique, besoin de te urgent de ton lynx. Appuie sur les tours, j'ai pas de viseur. Pas yo-yo, là, je vois des frites, y a un pass qui est descendu, il vous shoot. Vas-y, je te dirai quand il sera attendu. Dragon, est-ce que quelqu'un veut monter avec moi en tireur? Dernier frites, tout. Vous me dites quand je vous récupère les gars. Transmettez. Alors, FI, mais on est à pied pour l'instant, c'est compliqué. Je pourrais les fumer, j'ai perdu mon viseur. Voilà, vous avez les frites qui est en train d'arriver par les éoliennes derrière vous, les gars. Ouais. Je pense pas que le Strider va bouger parce que sinon les camions vont bouger, ils vont jamais venir. Ouais, Strider, vous allez aller en renfort sur la position là, Strider, Ifrit. D'après. Parce que là vous nous grillez en fait. Servantes, est-ce que vous avez un viseur dans votre Strider? Négatif. Il faudrait un RPS ou un MOS si vous avez. Neg, on n'a pas ça. Ok, à tous, vous avez un Ifrit qui vient par les éoliennes. Un mec qui est descendu. T'as un Ifrit qui se met en position au niveau des éoliennes sur le sommet derrière toi, c'est tout. Je crois qu'un mec est en train de réparer son Strider sous la tour là. Le RP c'est pas que du kill les gars. Attends, je vais crever en un coup. Attention à Ifrit qui arrive dessus aussi. On essaie de prendre le trader, les gars. Ok, il est sur le prise. On a un trader lié à nous là qui a tenté de nous aider. Donc... De Odor, on va sur l'autre PMA et prendre un. Strider volé. Mike, t'as percuté Prasinus.
Bah, c'est lui qui me rentre dedans, j'ai pas fait gaffe moi. Génial les gars, génial. Comment ça se fait que j'ai rien moi si j'ai touché? Bref, bref, on verra ça plus tard. Stop. Ok, c'est PA down chez nous ou pas? Ah oui, oui. On a besoin de renforts sur la tour, hein, au passage. Soji et... Il est couché. C'est comment, Boris? C'est comment? Attention derrière le Strider, les gars. Il y a encore un Strider sur la tour. Ok, à tous, vous me faites un topo de la situation des effectifs encore présents, s'il vous plaît. On est en position sur la tour, on est dans la merde, on a deux ifrits, un trader volé autour de nous, on aurait besoin de renforts. Bien, ça me donne pas le nombre d'effectifs. Pour info, Sierra, l'ifrit, il est down. Hein. Information, et nombre d'effectifs dans Sierra, s'il vous plaît. On est toujours au complet pour l'instant, je crois. C'est combien? Vous avez votre... Boris qui est mort. Donc vous êtes combien? 5. Ok, Viper. Top coup complet et on a Samantha Saïd. Ça me donne pas le nombre ça. Combien en tout? Viper, on a encore 1, 2, 3, 4. Reçu, Cobra. Bon, Cobra sont dead. Donc 4, 8 plus 5, ça fait 13. Plus nous 3, ça fait 16. On n'est pas si mal que ça au final, mais... Et CPA? CPA, plus aucun, CPA, plus aucun, CPA. Bien reçu. Bon, quand on arrivera à l'effectif de 10, on va faire une barrière défensive au niveau des MK10, reçu? Reçu. Hop là, pour Kanamo. On a récupéré une arme avec plein de chargeurs pour... Doc pour Sierra Tour. Oui. Vous avez vu, on a un ifrit sable dans la descente direction forêt là, dans le chemin en terre. Il est couché. Est-ce qu'il est en bas d'état? En azimut 230, il y a un pax à l'intérieur. Odor pour Kelvin. On se fait Théo. On t'amène un DMS, c'est bon ou pas? Juste si ça marche sur le Lynx, oui. C'est le rendez-vous des morts, ouais. Bienvenue Andrew Gaming, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite également à nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires et sur YouTube pour voir le live de ce soir ou ceux que tu as raté avant ton follow. Merci à toi et bienvenue dans la famille. On va pas piquer, on pique pas. C'est le rendez-vous des morts ici, si bienvenue voulez, dans le cimetière Springfield Day. Il y a un ifrit de couleur sable qui abandonne. Je ramène la MH9 sur moi si vous pouvez lui faire des tirs quand je vais la faire passer au-dessus de vous. Continue de le faire tourner dans le véhicule Strider. Mais justement, j'en suis là, j'ai un mec qui monte, Dis-nous si ça monte pour par contre. Affiche. Un seul pack dans le Strider. Allez, les unités qui sont vers le MK10, là je vous amène le MH9. Ça va pas nous aider ça. Bah si vous pouvez le dégommer quand il va passer au-dessus de vous. Ok, attention, vous avez un bouclier qui arrive sur la tour. J'ai mal. Soji, t'es là? Ah, fille, j'ai bugué. J'ai trop facile, t'es malade. Allez, Dave, on fait malade, collègue. Ouais, ça va pas nous ramener le MH9. On a mal de deux mecs en face aussi. Ça va pas nous ramener le MH9. Mais il est où? Bon con. Y'a un deuxième pax dans le Strider. Soutiens le Strider. Je me suis relevé. Tu es prêt, Canamo? Ah ouais, non, on se fait rush. Le rush kill, voilà. La priorité pour eux, c'est de faire de l'argent à la banque. Là, tout va bien. Vous voyez, ça joue. Il y a du kill. Tu vois, juste en face de moi, il est dans le couvert en fait. Il a la ligne, je peux pas avec quel gros. Juste pas s'il push.
des infos sur ce casse. Changement de radio, les gars. Reçu à l'émission 4. Négatif, vous m'envoyez un message. On a perdu qui? Personne, mais on change de radio. Elias, il y a toujours du monde près de nous, là? Négatif, je te dirai quand ça arrivera. Par contre, il y a un gars. Notre gérant dirait que je prends mon service, ça manque quelqu'un, pas. Ouais, quelqu'un de safe, on n'est pas safe, nous. On s'en occupe, on s'en occupe. Pas de soucis, Trunks. Faut prendre le moon boot. Ouais, affirmatif, faut prendre le moon boot, hein, les gars. Spring, en tant que commandant, t'as accès à toutes les armes? Oui. Oui. J'ai accès à toutes les armes. Pourquoi t'es en gris, toi? Il est toujours vivant, Jeff. Oh putain, on change de radio. Ok, dans la tour vous êtes safe les gars, si vous voulez prendre l'Ifrit c'est le moment. Il y a un Ifrit vide quelque part là. Ah si. Ifrit point noir, je vous ai mis un point, vous pouvez récupérer l'Ifrit, il est ouvert. Calamo, toujours là. On tente de le prendre là, l'Ifrit, et on se fout le camp. Ah si, je commence à courir. Order pour Calamo. Je vends dedans, je te ramène. Sur le fort, vous recevez? J'ai un département sur le fort. Les frites point noir, messieurs. J'ai vu, j'ai le contact. C'est bon pour vous, Sira? Putain de feuille. Bon, c'est pas tout droit, hein. L'Ifrit, il y avait un pack à côté. Bon, si là je les loupe, je m'appelle Georges. Hein. On va changer d'Ifrit, on va changer d'Ifrit. Vous avez pas trouvé un viseur sur les packs par hasard? Si, on en a sur l'Ifrit. Il y a un LRPS dedans ou un MOS? Ok. Bonjour, visiteur du futur, qui êtes-vous? Bonjour, je repars tout de suite. Ouais, évitez de venir dans votre bureau, je vous remercie. ok, ça marche. Bon, bah, pas de soucis. Pas de vive la Sparte. Oh non. du coup, dans les règles, il a le droit de rester là. Hein. Voilà. S'il a dit qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de soucis, je peux rien lui faire. Non, on peut pas banner les Spartes. Ouais. Quoique maintenant que votre grand empereur est sur elle, sur GTA. le grand empereur qui se fait kidnapper. T'es fait kidnapper. Ouais, je reviens, j'ai bug. Hop. Ah, putain. Pas de retour sur zone. Hein. Ah bon? C'est interdit? Ouais. Ah bah ouais. Hein. C'est, on m'a dit que c'était ban par mois. Ah bon, bah, tu sais quoi, tu me laisses finir l'action, tu me bannes après. Ok, tu bah vas-y, y'a pas de problème. Bon, ok, à tout à l'heure pour le ban. Vas-y, vas-y. Bisous les filles. Salut.
Il a dit des filles, je suis pas une fille. Mais si, bah, un peu quand même. Attends, je suis pas encore parti. Ah mince. Je l'ai insulté, puis après je me suis rappelé. Désolé, de petits lags, ça arrive. Ça arrive, malheureusement. Test. Ah bah voilà, bah j'ai plus la radio. Eh bah super. Putain. J'ai plus de téléphone. Ah si. Du coup, j'ai plus de radio. C'est génial. Ah merde, attends, bouge pas. Ouais. Merci. Non mais c'est bon, c'est fait. Merci. Et du coup... Test. Ouais, ouais, je suis bien planqué moi dans les buissons pour les strides. Ah, puis je te voyais pas. Ouais, ça va, ouais. J'ai failli t'écraser pour te. Ouais, c'est ça. C'est bien, on sait pas où ça vient. Ah, toujours en mouvement les strides derrière les frites. Ok, vous me faites une barrière au niveau défensif, au niveau de la maison. Ok. Transmet. On pourrait peut-être mettre une herse devant un mécanisme. Ah, fille, ah, fille, vous mettez ce que vous voulez. Non mais devant les bateaux en fait. Du coup je disais c'était au rendez-vous de Kanamo mais toujours t'as pas de réponse. Ah ouais bah désolé. T'attends le pigeon Dédé? Ouais j'attends le pigeon un petit peu. Bah en fait j'essaie de mettre une tactique en place parce que là ils sont bien organisés. Donc du coup on subit de lourdes pertes. Donc j'ai décidé de la jouer défensive. On verra ce que ça donne. Pourquoi tout de suite le drapeau belge? C'est toujours le Cazor. Je suis toujours le Cazor. Vivarma. Bah, j'ai mon tel sur chargeur. Je laisse le radif. Du coup, ça monte le level. Il y a eu quoi? Il y a eu bug. Arma, comme d'hab. C'est Arma qui fait planter la connexion en fait. Pourquoi tout de suite le drapeau belge? Toujours en sur zone, mon capitaine. Toujours. Je suis belge, j'ai le MRP. Emmène-toi, t'attends le pigeon Dédé. Ouais, limite, ouais. Du coup, je disais, j'ai eu rendez-vous, mordeur. T'as mal, Dédé? Pourquoi j'ai mal? Ah, parce que je suis téléporté. Bah ouais, j'ai bugué. C'est la Razor. La Rampage. Ah, Cazor. Ouais, non, bah, il est toujours là, je crois. Avec autant de pertes. Ouais, bah laisse tomber. Là, on a mal au cul, mon petit Joe. Là, vous l'avez bien joué. Hein. Chacun son tour, hein, mon petit Joe. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, c'est vous. T'étais moins... jovial hier, Joe. Mais c'est normal, c'est chacun son tour, hein. Faut savoir gagner, faut savoir perdre.
Oh, une bonne dizaine, moi je dirais. Hein. Ça dit que c'était au moins 200 encore, non? Exactement, bah c'est ce que je disais hier en fait sur le live. J'ai qu'à force que faire des banques, ben. Bah, bon, arrête. Arrête de dire que vous étiez bien, c'est pas vrai. Admets que des fois, c'est rageux. On a encore un jerrycan SVP. Ouais, moi j'ai pas des jeux. Dans les frites, y'en a un? Non, on est affiché, j'en ai un. Trader Dog. Vas-y, Trader Dog, c'est bon, on est là. Attends, viens derrière le bâtiment. Derrière mais attends, Joe, c'est pas encore fini, hein. Je te suis, mon cochon. C'est pas encore fini, Joe. On est encore là. C'est que le troisième, tu donnes. C'est que la troisième, ouais, c'est la troisième banque qu'ils font. Non, hier ça va, j'étais bien. Ouais, hier t'étais bien. Bah, je crois que vous avez fait un raid BA aussi, il me semble. Bon, sinon, j'aimerais bien que tout le monde me mette un petit message sur le chat, même pour ceux qui sont tous là, mettez un petit message en disant bravo la Rampage pour cette belle banque. Allez, petite cohésion sur le chat quand même, ce serait sympa. Mettez-moi tous un petit message. Ou GG, ou j'aime Springfellow, ou des conneries comme ça, tu vois. Allez, je vous attends. Vive DD, vive la Rampage. Non, non, pas la vie de la Rampage sur mon chat. Vous avez sauce schizo pour ça. Ta touche. T'es full au dents ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qui remonte avec moi dans les frites? Oula, vite bouger, vite, ouais, montez. Les gars, si vous m'envoyez tous un message sur le chat, je vous débloque une nouvelle fonctionnalité. Allez, un petit message pour tout le monde sur le chat et je débloque une nouvelle fonctionnalité pour vous. Restez planqué par contre, je sais pas qui c'est qui shoot, mais. T'essayes, Calvin ? Moi ça va. Je crois que tu peux l'avoir depuis la fenêtre de gauche. Oui, je suis en train de déplacer. Un Z, un U, un Y. Si vous faites tout ça, c'est débloqué, les gars. Je sais pas ce qui est débloqué, mais c'est débloqué. Il est en train de me prévenir. Vous avez 32 personnes sur votre live. Lorsque 15 personnes discutera en même temps, vous aurez débloqué un truc pour vos viewers et vos followers. Je sais pas ce que c'est. Yo Supra, bienvenue. Je me fous du côté à DD, genre là, en câblure de la plage. Ah, mais DD. Oh, je vais prendre dans la gueule là. Mignon comme toi. Restez planqués les mecs par terre par contre. Ah bah on bouge pas nous, hein, je peux te le dire, hein. On serre les fesses même. Serre le cul. Maxime, tu vas te viser de 4 les frères. Yo yo. Si je bouge, qu'il y a d'autres mecs de l'autre côté, je suis mort. Bon, on a un L4 qui nous shoot dessus le village. Un Strider ennemi juste devant moi. Bah feu les gars. Il y a des chances. Là, je pourrais avoir des batteries, s'il te plaît. Ouais, il nous attire dans ses potes, c'est rien, le suivez pas, le suivez pas. Essayez de le tech s'il approche trop près, mais le suivez pas. Non, mais tu veux pas le tech. C'est ce qu'il veut. Le LK va spot thermique. Ah oui, il y a des chances, oui. Je confirme. Et après, tu seras dans le mal. Mais c'est exactement ça. Merci mon petit Alésion pour le don, merci beaucoup. Merci pour mon petit don, merci, ça fait super plaisir, merci à toi. Mon petit popotin va te remercier plus tard. C'est un L4 en stade. Si c'est un L4 en stade. Merci. Le trader revient de l'autre côté, les gars. Non, mais ça, elle depuis... Putain, elle me fait prendre mes mains. Si je perds, c'est à cause de ma femme parce qu'elle me tient les mains. Ouais, c'est L4 qui me shoot. Ah, ça rentre pas. Merci. Salut Scarfield, comment ça va? Ah bah voilà. Voilà. C'était sûr. J'ai fait juste de pas courir derrière. Bah non, j'ai pris cher là. Strider revient vers nous.
Oh putain, et en plus je suis mort par mes collègues, les gars. Super. Bah je peux pas monter, je suis coma. Je peux pas l'embarquer du coup. Embarque. Je peux pas l'embarquer, il est vivant. Oui, il est vivant. Neg. Putain, bah il m'a roulé dessus avec ce Strider quoi. Quel abruti. Bon bah voilà, Wonderfuck, voilà la police d'aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi on m'a fait changer d'escouade. C'est bon, je l'ai load, mais ça va. Fais gaffe, l'unité qui essaie de l'aider. Bah si, il m'a roulé dessus. Ouais. Ouais, mais bah, je vais plus rentrer. Je vais plus rentrer. Attends. Prends pas de risque de perdre tout en salle. Oh là là. Oh là 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 là. Qui est là qui voit pas là? Il a quand même son stat. J'étais tellement bien caché qu'il m'a roulé dessus, quoi. Kelvin, aide-nous. Rien ne bouge, rien ne bouge. Ouais. Côté Ifrit. Abandonnez-moi. Ah si, c'est bon. Ah oui. Aidez-moi, par contre, je m'ai blessé. Dantes? Oui. Bon bah je serais pas mort par la rampage. En fait je suis rebelle sur l'île et donc j'étais en train de faire une banque et j'étais le seul survivant. Et ils m'ont roulé dessus parce qu'ils pouvaient pas me neutraliser. Oh je déconne. Putain les béraux. Oh là là c'est énorme. C'est énorme les gars, c'est énorme. Bon bah bienvenue à tout le monde. Bienvenue, vous êtes bah 42, moi j'ai sur mon stream deck 42, merci à vous tous. Merci d'être venus, vous êtes tous morts, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être à Cimetière, la télévision des morts. Merci à tous d'être sur la télévision des morts. Ça fait super plaisir, merci à tous. N'oubliez pas de follow les gars, pour ceux qui n'ont pas follow. Ce sera plus facile à trouver, merci à tous. Couleur CP, Hugo. Ah fille, je peux le RCP, mais je faut que je me sède aussi. Trax, c'était quoi? Oh, t'as crassé? C'est sûr, quand on collait, tu sais, c'est énorme. C'est énorme. Quand on collait sur chacun à côté, je fais quoi? Je vais faire un maxi twerk, j'en sais rien, mais je réfléchis. Mon Tokyo Lynx, juste à la batteuse. Moi, je vais aller me plaindre après. Dans Channel Problème. Ah, essaye de shooter. Kelvin, Kelvin, ils vont se mettre en stat pour ça là. Il est en stat. Ah, fais gaffe, Ifrit. Adieu, Dédé. Voilà, adieu, Dédé. Oh putain, les mecs. Oh les coups. J'ai bien aimé ta façon de prouver ton licence avec les deux mains sur la cam. Ouais, j'ai essayé. Elle a essayé, mais elle a pas réussi. Putain, c'est pas possible, les mecs. Non, il lag pas, c'est toi, Omega. Ouais. Attends, tu veux qu'on pète l'arbre? Non, je suis zen. Non, c'est toi Omega qui... Moi je suis bien là. Moi je suis très bien. J'ai eu mon petit lag habituel d'Arma. Parce qu'il n'y a que Arma qui me fait laguer. Hein. Qui à un moment donné me pète la co. Ouais. C'est que Arma. Dédé, tu sais s'il y a encore des places en Cobra? Il me semble que oui. Mais je suis pas sûr. Je peux pas te dire oui ou non. Je sais pas, Jason. De toute façon, je vais mourir, ils vont me débarquer, je vais crever, donc comme ça au moins, ce sera fait. Je sais pas qui pilote l'hélicoptère, mais il gère là-haut. La PSV face à Rampage? Oh, pas du tout. On bégaye pas. Disons que leur technique qu'ils ont mis en place aujourd'hui fonctionne. Voilà. Donc nous, on va s'adapter de nouveau à cette nouvelle technique. Tout simplement, on bégaye pas. Des balles, faut que je me souvienne. Quelqu'un maison? Bon, si on voulait vous en occuper, ah. Non, putain. Je vais rien pouvoir m'occuper du tout si vous m'aidez pas en fait. Bah, ça va être compliqué là. Je sais.
Pression en Ifrit, en fait, ils s'éclatent pas, ils restent en groupe et ça c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut jouer. Pire, c'est qu'on joue comme d'hab. Arrête. Si vous jouez comme d'hab, vous avez tous vos Ifrit au niveau de l'entrée principale. C'est pas vrai ça, excusez-moi. C'est faux. Et vous avez, d'habitude, vous êtes devant la porte avec vos Ifrit pour éviter qu'on débarque. Et là, vous y étiez pas. Ah, tu le butes ? Ils sont trop gros. Putain, c'est... Vas-y, file. J'ai mis des sirènes au cas où, il va s'arrêter. Bah écoute, moi j'ai trouvé que vous avez changé de technique. Pour les streams, il est noir pour moi. Ouais, c'est normal, je suis coma. Il est pas noir, c'est que je suis coma en fait. Par contre, la prochaine sera mieux à gérer. Oui, bah je te rassure de mon côté aussi. Parce que là c'était un peu le bordel pour nous. Vous avez lancé la banque, déjà on était en action. Donc le temps que tout le monde se rééquipe, et ils mettent 15 ans à se rééquiper. Donc on a débarqué de la BA, il restait 5 minutes. Donc tu vois, imagine. Alors qu'on a l'info depuis longtemps hein, que vous faites une banque. Ah non. Vous m'entendez les gars ? En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que vous venez voir ça sur le live, malgré tout ça, et ça se passe bien, et je suis content. Merci à tous. Sinon, l'idée du fort à l'amo meurt de rire. Ouais, bah écoute, on fait comme on peut au hasard, hein, fort à l'amo. À un moment donné, quand t'es pas assez d'unité, bah faut reculer, faut défendre en fait ce qui les intéresse le plus, le pognon en fait. Oui, des gens qui écrasent Dédé et là, Kelvin qui sont. Des gens qui écrasent Dédé, mais en même temps avec les lags. Ah, moi c'est là, c'est qu'on s'est mal compliqué. Attends, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'avec les problèmes de l'île. Focus sur Dédé quoi. Les ennemis sont toujours lâchés, hein. Faudrait essayer de traiter Spider parce que je pense qu'il y a des mecs, il y a un squad dans la maison quoi. Oh putain, j'ai mal au dos, putain, avec cette chaise là. Putain, c'est un truc de fou, je connais pas. Si vous voulez, vous m'arrêtez, tu continues le RCP et j'essaie de buter le Hunger. Tu sais, j'ai vu votre hélico en MK10. Ah, elle a mis dans la ville. Ah, par contre, il y a eu un sale bug avec un MK10. Même deux bugs vous aviez eu, je crois, avec le MK10. Il y en avait un dans le ciel et un qui a coulé, je crois, avec un camion dedans. Oui. En vrai, ils ont pensé à te RCP, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Tu te déposes à un endroit dans la ville et que tu le fasses tourner autour, ça te sert. Attends. On va essayer de faire un moment où on peut le perdre de vue. Bon, attends, il s'en va. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit putain merde, c'est quoi ce bateau là-haut là ? C'était énorme. Il va plus là ? Non, il est plus là. Continuez RCP, moi je le débarque. C'est David Lansky avant, non ? Je sais pas, Jason. Parce que la PMA est bien passionnée. Hein. Il y a un monsieur qui est blessé à côté, donc ouais, mais on c'est un peu soigné. Et là, je vais mourir. Parce que ça fait trop longtemps. Ouais. Normalement. Ses cartes. Elle a les yeux révolvés. T'es prêt, Maxime ? Voilà. Oh allez, c'est bon. Allez, Malia. Vraiment désolé, Dédé. Ouais, mais c'est que j'étais trop bien caché en fait. Bah oui. Monsieur, si vous pouvez boire un Red Bull, s'il vous plaît. Je pense qu'on va lui remettre une autre épée, faut pas qu'il gâche les Red Bull. Belle initiative. Ah bon. Et bah, dans tous les cas, fonce à la maison.
Bon, et à tous de DD, c'est bon, vous avez tous survécu ou pas? Merci. Ok, j'arrive. ODD. Quoi? ODD. Quoi? Non. Non, mais arrêtez les gars, putain, merde. C'est bon, on peut partir? Allez, gaz. Allez, sauvez des vies. Merde, attends, je peux pas. Merci, bisous, hein. La bise, hein. Et surtout, bah, pense à moi. Ouais, bien sûr. Allez, c'est qui le plus beau, c'est qui le plus fort? Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Allez, gaz. Blague nulle une fois, les nuls deux fois. Allez, salut. Ah, désolé, DD. Franchement, c'était assez magique ce qu'on a fait dans le... C'était... réussi à sauver DD. DLK, t'as arrêté le monde. Ouais, bah c'est pas grave. Oh! Donc c'est bon, ma technique de défense a marché? Pour l'instant ça tient, après, ouais, l'instant, nickel. Ça tient. Nickel. Bon, fort à l'amo de DD, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es mort d'un bug? Négatif, j'ai survécu. Information, il y a toujours un pack dans la maison. Ah bon? Ouais, on le voit. On va monter nos cuillères par contre. Revenez, ok, pour information, on traverse la mer en marche à recul. La marche à recul. Vous ne pouvez pas faire attention à l'L4, hein. On est sur l'autre. Non, vraiment, faut pas faire attention à l'L4. Bah alors, mon petit Joe, ma technique fort à l'amour fonctionne apparemment. Tes hommes tombent. Là, attends, je vais foncer dans. Si jamais les mineurs y reviennent, vous foncez sur le trailer. On a essayé de lui tirer dessus là, le Big Bird, on l'a fait bouger parce qu'il... Le percer par contre les minos. Eh bah ça va, ça prend bien. Bah non, le Wings c'est loin. Ça va, ça va. Ah non, ça va. Ah les explorateurs sont là, ça va bien pas. Ouais, tout à fait, le NTW a été supprimé. Ah puis ici on peut parler bien sûr. Ok, donc pour l'info on a un Big Bird sur nous, leur N4 c'est crash. Et un Strider avec 3 packs dedans. Oh non, il y a un autre Big Bird sur votre position. Ah, ça fait, ouais. Il y a l'extraction. Je crois qu'il y a l'hélico d'extraction qui a frappé. Refresh ta page, Omega. Ouais, ouais, j'avoue, l'hélico. La Z830, c'est l'hélico d'extraction, il est en train de se barrer là. Non, je crois que c'est ça. Mais merde, ça rentre, ça y a des soucis. Eh ben écoute, bah, ça tombe bien, moi c'est un échauffement aussi pour ma technique. Dédicace. Ouais. Non, mais je parle à... Désolé, les gars. Ouais, dédicace, ouais. Dédicace. Non. Je parle à... C'est un truc de... Enfin, c'est un truc, vous comprenez. Un truc de... Une petite guéguerre entre nous, gentil. Un stacking, un chari. Et ça se passe bien. Faire un périscope, c'est ça? Ouais. Ah. Vous êtes des fous, y'a personne. Vous savez que le périscope, c'est un peu démodé, quand même. On l'a vu, rez-de-chaussée, ça. On peut faire des stories Insta, non, apparemment. On a lâché des mecs dedans, et personne passe. T'as rien vu du tout, comme si... Ouais, y'a des Twitch lifestyle aussi. C'est le Strider, il est où? Ferme ton application et réouvre là, Omega. Des fois, ça déconne. Ok, à tous, Strider sur position, hein. Ifrit. Vous avez quoi comme arme là-dedans? Moi, j'ai la... Vous avez rien. Non, j'ai une radio qui est sur le... Par force, ouais. Ok, à tous, j'ai Hemingburn sur ma position en stat dans quelques secondes, vous pouvez le dégommer. On peut passer des sons, on peut passer des sons. Ok, Ifrit, je t'accuse du Strider, on arrive. Fais gaffe, hein. Confirmé, toujours un pack dans la maison ou pas? Négatif, personne n'arrive. Ok, bien reçu. Ça passe. Ah, ils sont bien. Si jamais ils commencent à bouger ton chauffeur en retour. Reçu. Une fois que vous serez à terre, on focus
focus le Strider, à 3 et on le défonce. Tu viens d'avoir des problèmes d'île? Non. Ah, tout à l'heure, c'est ça qui est perturbé, ça te fout. C'est le Mickburn. Ok, vous pouvez shoot les Mickburn si vous voulez, là, c'est maintenant. Vas-y, vas-y, je occupe le Strider. Voilà, c'est bon, stop, 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 stop. Ok, remontez, remontez, le Strider revient vers vous. Vite. Voilà pourquoi je suis commandant, les gars. Et ouais. C'est vrai que c'est tentant. Allez, terre en vue, capitaine. Terre en vue. Et oui, capitaine. Je pense qu'il n'est pas pris à l'abordage qu'on arrive. Vas-y. Je ne dirai rien. Ah, l'abordage, matelot! Parce que je savais qu'elle allait me dire même. Je suis à bord. Du coup, les dés sont pour moi de conseil. Quel débarquement. Ah, là, je peux ouvrir des portes à l'arrière. Là, on voit débarquement. Ok, les Mingburn reviennent. Il refait un passage, les Mingburn. Hein. Ouais, c'est avec moi, du coup? Ouais, ouais, je reste. Allez, attention, 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 arrête-toi, 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 arrête-toi. Allez, on monte, les gars. Allez, on bouge. Ça, c'est du finishing. Ouais, il est là, il est là, il est là. Ah, j'adore ce jeu. Je kiffe ce jeu. Je vous préviens, je vous entends pas. Énervé le DD, ouais. Un petit peu là. Fallait que je la sorte celle-là aussi. T'as pas de. J'ai oublié de mettre mes bouchons. Ah, ah piston. Tout ça, ça t'apprendra avec l'expérience. Bon, confirmer d'autres packs ou pas? Ouais, il y a du flouze, ouais, mais déjà je veux savoir s'il y a d'autres packs. Il reste pas un hélico, enfin, quoique. Si, il y a les Mingburn avec tireur. Si, si, il est là, il est au-dessus, là, on le voit, il est loin. Je pense qu'il est seul aussi. On n'a pas vu d'autres véhicules de rush, c'est ça que je comprends. Je pense qu'il en reste. Vous voyez la banque, au moins quelques-uns à la banque, non? On va voir. Le Strider. Si, on va prendre le Strider, vous le réparez, on va le reprendre. En attendant, je vous laisse lockpick les MK10 si vous pouvez. Après, on peut prendre les MK10 et foutre le camp. Ouais. Affirmatif, mais on va déjà clean la zone. Ok, de Strider, on va s'arrêter pour réparer un peu devant courir. Ah, vite. Je vois pas. Attends, je vais me mettre en protection. Ah, c'est bon. Essayez de jeter des smokes avec les frites si vous en avez. Allez, East, c'est pour toi, ça, là. Balance. East, quand tu veux. East. C'est bon. Ouais, je pense qu'il a pas compris. C'est tout le monde qui est fusion, parce que ah, si il y avait été, ils auraient déjà mis tête, là. Donc on est resté immobile. Ah, mais East, c'est un peu trop tard pour eux. Bah, il faut juste aller dans le Mid-Burn. J'avais pas compris. Au moins, ils sont tranquilles. T'as des lockpicks ou pas, là? Je dois en avoir sur moi, peut-être. Tu peux les mettre dans le camion et me filer les clés, s'il te plaît? Ouais, je vais faire ça aussi. Donc... J'ai 10 lockpicks. Tac, tac, tac. D'ailleurs. Ils ont voulu plus qu'on pourrait aller. Bon, j'ai ce qu'il faut. Ouais, bah, montez avec moi. On va pas me poser la question si j'avais des acouphènes bon, dans mon cerveau ou dans mes oreilles. Ah, en fait,
Non, on se barre pas avec Scarfield. Raconte pas n'importe quoi, on part pas avec. Comme ça, il se réveillera pas. Mais là, t'es fou, le cas où. Du coup, on prend les bateaux ou quoi? Mais on les prend, on les balance au large et on va clear l'île. Tiens, moi, j'ai fait gaffe, j'ai encore deux Hertz devant. Et les crochettes, là? Ah, les crochettes, hein. Vous déposez? Ok, Strider, ouais. Vas-y, dépose-moi aussi avec, je fais le deuxième. Je récupère au large avec le strike. Ouais, il veut pas? Non, t'en fous, juste bouge. Ah, de toute façon, il est bugué le truc. Bon, par contre, vous me faites toujours un appui de défensif, hein, les gars. On fait le plein de bifrit, nous, on s'est planqué dans la maison, on va faire le plein. Moi, je le mets où? Bon, bah, ça veut pas lockpit, hein. T'as rien en commun, bébé? Non. Faut que tu rentres dedans, faut que tu montes à la c'est l'intérieur, c'est où? Non, mais, juste... non, mais je peux pas. Avec V, voilà. C'est dans la cabine du fond, dès que tu... Ah, bah, pardon. Ah mais si je le fais avancer et que je descends, je vais crever, non? Non, non, t'inquiète, c'est de l'eau. Quand tu tombes dans l'eau, c'est pas grave. Ah, ok. Et le Strider va te récupérer après. Et après ça, est-ce qu'on se dirigerait pas vers la banque, du coup? Ah, moi, je serais pour. Là, faut qu'on ferme le coffre. Bah oui, je suis ouvert, je suis con. Allez, vas-y, go. Allez, on va quoi, on va fermer le coffre de la banque, les gars. Quand je suis de Ifrit, je vais juste faire du mur pour te mettre un véhicule qui est foutu le camp pendant qu'on a eu le dos tourné, parce qu'on était bien occupé ici quand même. Putain, je suis juste pressé de pouvoir dire à la PMA de partir. Je vais vers la banque. 3 semaines pour être fini. J'espère. Je suis vraiment désolé, hein. Donc ma technique fort à la mort a marché alors. Bah c'est pas idiot du tout en fait. Ouais ouais, c'est pour ça que je suis commandant les gars. Ouais ça va. Après je suis commandant, il s'est quand même fait écraser quoi, je sais dire. Si tu veux être payé, je suis commandant. Ouais mais il est plus fort que le Roquefort. C'était une belle banque, franchement. Bon, là, je vois, déjà, je vais pas dire que c'était une belle banque parce que c'est pas fini. Je vais dire ça tout à l'heure. Je vais quand même vous féliciter les Rampage parce qu'ils ont super bien joué. Mais la technique ultime du commandant Springfellow a fonctionné. Comme dans un film, il disait, lorsque deux montagnes se rencontrent, l'autre prend toujours le dessus sur l'intelligence de mener ses troupes à la victoire, certes. Tu me fais un chèque thermite aux alentours, s'il te plaît? Deux camions à l'intérieur. Reçu. Faites gaffe. Non, reçu, c'est de se faire.
Vous faites également un pôle Strider, un check thermique sur les montagnes et tout ça. Hein. Fort et à la tour armée. Infi. Et vous vérifiez dans les camions le nombre de lingots, etc. On va aller au fort, donc carrément les frites, on va aller check. Ça, infi. Non. On va aller, on rentre dans le fort. Toi. Le colonel de la police, il n'y en a plus. Maintenant, il y a deux générales, Skito commandant, moi commandant. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est ce qu'il a dit, justement. Ouais, allez-y au fort, faire un check thermique et nous, on va aller fermer le coffre. C'est reçu. Oui, okay. Ouais, je vais le faire parce que... Allez, c'est parti. On emmène le coffre. Hein. Attention au coffre les gars, il y a peut-être du monde encore dedans. Attendez qu'on arrive. Je vous laisse check des camions les gars. Affirmatif. Vous me recevez, quelqu'un me reçoit? Oui, il y a un véhicule. Allez. Un élément d'appui s'il vous plaît sur les escaliers. Ouais, mettez-vous en voie faible. Ok. Mais t'es con, Dédé! Quoi? Fermeture en cours. T'as cru qu'il y en avait un? Mais parce que, j'aime bien. Non, négatif, ennemi neutralisé, c'est bon. Je crois qu'Odori est cardiaque. Dimanche général. Fermeture de coffre. Le coffre est sécurisé, messieurs. On vérifie les camions. Reçu, bien joué. Affirmatif, je lockpick le premier camion. Ouais, je m'occupe des autres. Bon, les gars, okay. Les gens, au niveau des trailers, c'est pas gratuit, hein. Donc s'il vous plaît, pensez un peu à la planète quand même. Bon, ton cours d'écologie, on fera plus tard, hein. C'est reçu. Bellucci, t'es encore vivant? Alors, félicitations. Putain, sa mère la chauffe. Oh bah alors, ça c'est mal poli. Prenez les noms pour la Sierra quand même. Ouais, ouais. Véhicule immatriculé, véhicule LML noir sur le château, immatriculé au nom de Joe McKenzie. Oui, ça se passe bien quand même. Sierra, vous marquez tout ça sur votre doc. Hein. Déjà fait. Ah ouais, il est en train de marquer. Théodore. Mais j'ai marqué le nom. Pas quand tu me tues pas. Antoine Sabastano. Ah oui, c'est dingue. Hein. Que le premier. Alors, bonne soirée à toi, mec. Merci. Pour info, Joe McKenzie, vous leur rajouterez une prise d'otage sur le demande de la rue. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon, j'ai les clés. J'ai une prise d'otage hier avec une négociation, j'avais juste son nom de famille, McKenzie. Ok, y'a rien dans celui-là. Non, le Strider. Ok, j'ai tué personne pendant la banque. Merde. Moi j'ai fait. Qui a sorti une herse? Moi. À place là, ou range là. Mais attends. Là pour en main, parce que là. Vraiment. Qui veut une herse? Oh putain. Vas-y, va t'en aider. Les gars, quoi? Putain. Y'a rien de. Je m'en fous. Ouais. Je fais coude que coude. Je veux. Tu veux, c'est fait ou quoi? Je suis en train de le faire, moi, le... Attention les gars, attention à gauche, attention à gauche, attention à ma gauche, attention à ma gauche, attention Mike. Dis que c'est moi le plus beau. Mike, dis que c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, c'est moi qui t'idole. Mon lieutenant, vous avez à moi. C'est bon. Putain, oh. Merci. Je suis toujours pas mal. La fin pourrie. Le camion en foyer, on se casse. On regarde déjà s'il y a tout dedans. Bah, j'ai pas de charge. Y'a rien dedans, on va les faire péter. Mais tu peux pas les ramener à la BA, les gars. Bah, faut. Bah, vu que la porte est fermée, faut faire de la magie. Attendez. On a pas d'hélico là. Les gars, arrêtez, on a les clés. Au pire, je serais allé chercher une charge explosive et. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien, Dédé! Quoi? On en a un tout au sud, tout. Quoi? Bah voilà, okay. Bah, on
Vas-y, monte. Hein? Quoi? Là, c'est lui qui veut te chanter une musique sur la PM1. Ah! Ah, bon, on y va. Eh bah, remonte mon strike. Ok, donc on va aller chercher un hummingbird. Non, négatif. Il y a un hummingbird juste à côté de la banque, à la limite, on le crochette. Là, vous avez vérifié le camion déjà là ou comment ça se passe hein? Commandant, ça sert à rien avec les clés. Ah bah vous pouvez pas le dire avant non? Bah je vais dire tout le monde. Non d'accord. Allez c'est parti. Putain mais moi je veux pas d'un rebelle dans mon Strider. Comment ça? Un rebelle? Et c'était le rebelle? Non c'est pas vrai. Ah bah allez. Non, on va leur donner des pognons. Dis-leur de venir à la BA. J'aurais dit que c'était bon pour la PMA, mais là, du coup, ils t'attendent pour la musique. Ils m'ont demandé si vous pouvez payer. Oui, bah, dis-leur de venir à la BA. Je vais payer. Là c'était une très belle banque. Ah merde, faut que je... Franchement... Ouais, bien joué, carrément. Ouais. Des R, ça se fait rentrer, putain, je m'attendais tellement fort. Non, rien, là, je vais chercher le faire, mais du coup, je pars en avant. Mais là, c'est bon. Oh, Max. C'est bon. Faut jusqu'à l'autre. Non, je pars un ripou. Je suis un ripou, les gars? Est-ce que je suis un ripou? Quoi? Est-ce que je suis un ripou? Ah ripou, pourquoi? Voilà, tu vois? Un ripou. Je suis au courant de rien. Mais gros, si t'étais un ripou, je serais pas là, donc... C'est ça. Ah là là. Prochain. Le bébé, c'est un ripou, je pète la gueule. Voilà, exactement. Ah bah t'as raté la banque. Maxler, t'as raté la banque. Tu pourras le revoir en review sur YouTube. Aussi ça fait peur. Vous m'avez trouvé comment Major pour la première fois dans le dock? C'est plutôt à moi qu'il faut poser la question, je pense. Oui. Ah bah oui, bien. C'est vous. Ah oui, c'est vous Major. Et un PV. Et un PV. C'est vous Major. Très bien, ça passe. Il y a quelques petits trucs à mes filles, tu vois. Salut les filles. Alors, vous êtes là pour nous donner le chèque? Exactement, vous allez me dire la BA, je vais vous filer le chèque. Nickel, bah let's go. Et vous avez pas de musique à la base? Ah bon bah, c'est quoi vos connards? Allez-y les Tarlouz, je vous écoute. Vous êtes prêts? Ouais. Pour t'aider. T'es bon, regarde, toi aussi, donne-nous ton chèque. Oh. Alors, j'ai décidé. Bah écoutez, on a eu 4 minutes hein, pour la créer cette musique, donc bon. Ah bah allez-y. Donc vous avez créé ça en fait? T'es le meilleur des policiers, donne-nous ton chéquier. Foutez ma gueule là. Oh là là. Ok, je peux créer une suite. T'es simple, si jusqu'à la BA vous avez pas de suite, pas de paye. Allez, on y va. Les potes. Quoi, t'es escroqué? Ouais, c'est bon. T'as une escroque.
personne. Moi j'ai un truc sympa aussi. D'abord tu retires ton PMA actif. Tiens, retire ton point PMA. Une fois que la PMA est plus active, tu retires le point PMA. Oh, ils étaient combien? Ils étaient 4 là, c'est ça? 4, ouais, c'est possible. J'y vais vite. Après, ils ont attendu 2h, voilà, pour 2h30. Ou pas? De quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tracés à la BA, nous? Bah ouais, on trace à la BA. Par contre, franchement, dans la mer, là, c'est vraiment stylé ce qu'on a fait. On tourne en rond. Je pour être au cul du sniper. Hein. C'était chaud. Ouais. Ouais. Des fois, il suffit pas grand-chose pour gagner. Hein. Dédé, pourquoi tu meurs aussi facilement? Bah, c'est parce que je suis comme un chat, je me cache n'importe où. La terre et l'air font partie de mes éléments. Non, il faut pas qu'il fait pas. C'est pas un 4 tonnes, hein, c'est un 12 tonnes celui-ci. Ah, pardon. Ah, oui, bon, bah, ça à 12 tonnes, c'est compréhensible que tu meurs sous une eau. En tout cas, le dernier, je l'ai abattu là avec son bouclier. Ouais. Il a dû avoir mal. Quelqu'un peut répondre dans l'eau? T'as le long là-dedans? Non, j'ai pas le long. Attends. Tu ressens encore ça? Attends. TP, 83. Putain, il fait que les coups. De respire, on trace direction BA pour appuyer la sécurité. Bien sûr. On verra. C'est un test, tu ressens encore ça? Ouais, ouais. T'as entendu ce que j'ai dit avant? Non, j'ai pas entendu. Ah, tu disais, on va BA et la sécurité civile. Ah, ok. Et c'est 83 là. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Bon, en tout cas, les squads médicales encore sur les deux, ils peuvent passer. Exactement. Ça fait deux vols d'affilée, mon escouade est toujours là. Média squad. Par contre, si je reviens dans le doc, la prochaine fois je prendrai une 200. Ouais, bah ouais, non, mais tu. Voilà, tu apprendras au fur et à mesure, il y a tout un truc à modifier. Ah, tu vois, c'est la première fois, tu connais même pas, tu connais à peine le Strider, donc c'est que du bonus là, ce que t'as vu. Ça peut être que bénéfique pour toi. Comment tu vends bien ton truc? Si. J'ai besoin de médic. Personne qui a fait du médicament. Ah, c'est pas un chiffre. En même temps, franchement, c'est pas un job que les gens aiment sur le long terme. C'est très pacifique. Après, derrière, il va faire le taf sur le niveau stratégique. Bah oui. Écoute, si je voulais faire du KOTH, je serais en KOTH. C'est ça. Pour ça que j'ai choisi médic. Interaction maximum. Je dis pas qu'à chaque fois que je vais faire doc. Non, mais voilà, si. Bon, personne ne veut et que toi ça te dérange pas, autant mettre quelqu'un qui. On va dire. Ça va plus apte à le faire. Faire ça, quoi. Et que du masque, ça te dérange pas quand il est avec moi, on va dire du masque, c'est un peu quoi. Même si c'est pas moi qui ai pété un peu de ma vie. Bon! Donc ça c'est fait. J'ai mal au cul d'être assis dans le Strider. Ah bah j'ai pas innové pour le coup. Je suis sûr que la sécurité civile ils sont pas là. Ah ils veulent du pognon. Ah bah en fait le mérite, c'est pas le coup. Ah c'est Twitch qui déconne Omega. Même pas, ils sont pas encore. Ouais, ils prennent leur temps parce qu'ils sont pas encore de poème. Pas de poème, pas de paye. Ah, ne fais pas péter maintenant, s'il te plaît.
Ah bah je vais pas faire comme il m'a fait. Non, non, c'est fermé, c'est bon. Il m'a fait le coup hier, j'ai volé. Bon, je le recevais, mais. Mais du coup, en tant que police, oui. Quand tu mets des trucs dans le garage, même si c'est fermé dans les véhicules, même si tu rentres dans le garage avec des équipements. Tu le perds pas. Non, les équipements, par contre, il faut les retirer. Ok, bah comme en civil. Non, en fait, là, tu vois tout ce que j'ai, ça passe. Et même genre si après, après la tempête, j'aurai encore. Il faut... Tant que le véhicule est rangé, avant la tempête, c'est bon. Par contre, si je mets mon arme avec le viseur, tous les accessoires dessus, j'ai récupéré l'arme, mais pas les accessoires. Moi aussi. Voilà. Il faut que j'en jette une seconde radio. Ah si, on vous reçoit. On a des véhicules police volés au niveau du repère de bande de proche FC. Est-ce que vous pouvez. Enfin, super faire un check sur le cas de présence. Est-ce que vous pouvez nous appuyer? Affirmatif, on attend les unités BA pour renfort et on s'y dirige. C'est magnifique. Oui, j'ai vu. Page, oui, j'ai vu. Merde, à l'aéroport. Donc, moi, tout ça, je dirige direction repère de gang, du coup. Douchka, plusieurs hélicoptères et camions sur place. Ouais, affirmatif, j'ai vu. Attention, j'ai vu un L4 avec Pax à bord, style Rampage, sable. T'es reçu? Ok, à toutes les unités envoyées, balancez une radio courte portée pour toutes les unités banque, BK et BA, s'il vous plaît. Et pour information, L4 avec tireur sur le blanc, tenue sable, style Rampage, en direction de la LC. Si, je vais me racheter de la bouffe et tout. Il y a une BM devant. Ah oui. Pas grand chose. Si le pique 3 bouteilles. Bonjour messieurs. Coucou, c'est moi. Oui. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait parler à Syrah s'il vous plaît. Je sais pas, c'est qui? Et toi? Non, c'est pas moi. Moi, c'est police. Tu vois, c'est marqué dans le dos, regarde. Ah, merde. Non. Non, c'est marqué dans le dos. Viens un peu ici à l'accueil, s'il te plaît, de donner un petit truc. Bah, ils sont pas là. Mais ouvre un peu, je vais donner un truc. Bah, ils sont pas là. Mais je peux te donner un truc à toi, s'il vous plaît. Bah, qu'est-ce que tu veux, s'il te plaît? Bah, t'es... je veux me donner le papier à toi. Ah, à moi? Oui. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que... Pourquoi moi? Parce que... Bah, merguez. J'avais bouffé hier soir au barbecue. J'espère que t'es pas aussi molle qu'une merguez. Parce que sinon, je vais te gerber. Voilà. Il y a une toilette là-bas, si tu veux. T'es épicé ou t'es nature? Bah, ça dépend. D'accord. Bon, vas-y, je t'écoute. Monsieur. Bon, bah, j'aimerais bien être informateur. Ah, alors ça tombe bien, on cherche des informaticiens. Tu sais réparer les ordinateurs? Non. Informateur. Donc tu veux informer qui? Vous. La police. De quoi?
des rebelles et des bandits et des trois. Eh ben ça tombe bien, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller à la LC là où ils vendent les voitures. Il y a plein de rebelles là-bas et tu m'envoies des messages pour me dire ce qui se passe. On fait comme ça? Où ça? À Tira? Là ils vendent des voitures, là, à la LC. Ah ok, bah j'y vais. Va là-bas et envoie-moi des messages. Ok. Et surtout, reste pas au soleil, tu risques de cuire. Je suis qu'un thug, ouais. Je suis qu'un thug, ouais. Voilà quoi, ça c'est fait. Ouais, fallait que je le place, les gars, désolé. Ouais, j'aime l'humour de merde, donc ça va. Ah, du coup, c'est le mec qui vient de la sécu parce que je vais faire une PMA ici, du coup. Ah, il se passe quoi là-bas? Ah, c'est en train de péter apparemment, mais ouais, par contre ça s'éloigne, donc ça me fait chier. Et si ça s'éloigne, bah... PMA, faut que ça lui passe. Ah, bah... Je suis content, ouais. Non, désolé. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Je vous aide. Peut-être ça l'ouvrir à force, hein. Moi je peux vous tatane, hein, si vous voulez. Merci Gazor. Okay, ouais, vas-y. Vas-y, tatane. Si tu tatanes, c'est toi qui tombes. Oh, il m'a tatane. Mais tu m'as tatane là? Vous m'avez dit de vous tatane. Mais je croyais que t'allais tatane le major, moi. Ah bah, je peux le faire aussi. Je vais le défoncer. Oh, je vais le défoncer. Va ouvrir la sécu, sois utile. Non, l'autre côté. Cours. Putain. Je suis pas prêt à ça, mon commandant. C'est sympa votre revolver là. Ah oui, il est pas mal hein. Je sais pas qu'on avait ça. Quoi? Ah. Oh putain. Ça révise là. Oh merde. Putain, t'approches pas de moi, je vais te défoncer. Ok, si vous voulez, Tarlouze en fait. Allez, ne pas faire. Allez, venez dans le garage, c'est le plus sympa. Ok. Alors, je prépare ça. Allez, viens. Rentrez. On est d'accord que s'il décide de nous tuer, d'abord, on dit que... Non, oui. Tu fais du gâchis et puis non, c'est bon. Il n'a pas eu de temps après vous, il a eu de temps après moi. Vous avez pu. Allez, les gars, rentrez. Venez. On va se passer. Péter du jour, c'est peut-être la dernière fois qu'on verra. On verra pas le temps de passer. Alors, si c'est pourri, j'ai un cadeau. Ouais, je l'ai dit. Ouais, vas-y. Alors, je vous écoute. Ah non, il manque notre collègue, il arrive, il en a une colle. Ah merde. Ferme-la. Ouvre. Allez, viens. Salut. Il faudrait qu'on révise avant. Réviser. Bloque notre porte, East. Putain, j'ai fait une connerie, je crois. ODD. Ah, c'est ça. Est-ce que je mets la musique en même temps? Faut que j'ouvre une autre porte. Ah, tu fais ce que tu veux. Tu joues ton salaire, mec. Le salaire est de combien, s'il vous plaît? Tu verras. Si c'est de la merde, bah ça fera une cartouche. Oui, ça peut avoir 25 millions par personne, ça passe. T'es en boîte quand même. Ça passe. Vas-y. Pour moi, après, je partagerai une petite fille. Pas de problème. Allez, vas-y, Ryan. Ah non, mais pas que moi, hein. Si. Ah bah, si. Si, Ryan. Nous, on est là pour, au cas où il tue, on est là. Voilà. Alors, nickel. Merci, hein. Et tout seul. L'esprit d'équipe, apparemment. Non, mais on est là pour te soigner s'il tire dessus. Pour ça, on est des collègues, mec. Allez. Ah bah, oh. On te protège, mec. Ouais. Alors, oh, si ça fait un peu stresser, le laser, là, sur le... Non, t'inquiète. C'est pour l'effet trombinoscope d'une discothèque. Allez, vas-y. Alors, attendez, hein. Est-ce que vous êtes prêts, hein? One eternity later. Attends. Alors, si possible que dans la musique, il y a un moment, on vous agresse. Ah! Ça fait quoi dedans? Ah! Est-ce qu'on risque des... Bah, vas-y, fiston, tu verras les conséquences. Non, bah après, le mec, il fait des corps. Il va tester. D'accord. Non, on va dire au cas où. Oui. Moi, je me prends une balle perdue. Allez, les gars.
Je vous écoute. Parce que moi. Y a pas de droit d'auteur, ça va ? Non, y a pas de droit d'auteur. Bah normalement si, mais tant pis. Allez, vas-y. Allez, nickel. Vas-y, donne-nous ton chéquier. Si tu nous l'as pas, on viendra chez toi te dépouiller. Varon, tu as baissé ton. C'est tout quoi ? C'est ça une spéciale dédicace ou quoi ? Allez ! Bon ! Allez, vous avez mérité votre salaire. Ouais. C'est quand même moi qui ai chanté tout ça. Yeah. Non, j'ai fait la deuxième partie. On a fait les bacs. Mais on s'en fout. Pas moi. Et on a fait des. On a aidé pour les paroles. Rebis de haut. Et voilà les gars. Merci à vous parce qu'on a toujours besoin de vous en fait. Ok. Allez. Il me va pied. Meilleur tenez l'arme au sol. Mon commandant, vous êtes trompé. Non. De qui ? De quoi ? Bah, donnez 1 million à moi. Non, mais il faut donner. C'est qui a pas eu 1 million là ? Moi. Tiens. Allez, donnez. Titi. Si je me rends, vous avez envoyé un message. Bah, allez, à tous, il y a une nouvelle fréquence d'envoyer ou pas là ? Allez, envoyez-moi une nouvelle radio pour tout le monde. One eternity later. On a tout fait péter. Bien, bon allez, faites-moi péter, il y a un problème avec Cobra là. Ouais, il y a un problème. Je sais pas si ouais. Il vous suit. Allez, on bouge. On bouge. Ouais, fouleur, fourrière et on bouge. East. Et qui cette voiture ? Enfin, c'est la mienne maintenant. Moi, je peux pas le mettre en fourrière, ce con. Allez, vous me sortez une nouvelle radio pour tout le monde là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, hein. De rien, t'inquiète, c'est normal. Chaque fois qu'on arrivera à quelqu'un, on parlera. T'auras tout le temps de préparer une autre chanson à mon effigie. C'est de la dope ce truc là. Teresa, faut qu'on aille. Bon, allez, bonne soirée. Allez, bisous. Au revoir. Ouais, c'est nos collègues. Allez, gars, les gars là. Allez, on se bouge là, s'il vous plaît. Là. Nous, Yorick. Bah ouais, du coup, comme c'est malin, ils ont enlevé le brancard. Non, faut pas le dire, c'est pas vrai. J'emprunte à long terme. S'il vous plaît, les gars, là. Y'a quelqu'un encore ? Ils sont où les autres Vipers ? Il n'y a pas de frein à main là-dessus. Il n'y a pas de frein à main là-dessus. Ah, ils sont où les autres là ? En longue là, vous faites quoi à la banque ? Allô ? Rien, tout va bien, on a des collègues qui sont en coma parce qu'il y a eu un takedown. Il y a eu un mage noir. Oui ? Il y a une PMA encore ? Parce que là, on vient de me signaler beaucoup de comas au même endroit. Ah, la fille, ouais, c'est des collègues en difficulté, ouais. Donc, du coup, faut refaire une PMA ? Non, faut aller sur eux en fait. Ouais, allez, gaz, monte avec vous, moi. Allez, c'est parti. Putain, pour rouvrir. Oh putain. Allez, dépêche. Bah, faut attendre. Je vais le choper. T'arrives à choper ? Deux fois si je m'y coupe. J'ai la DLC PV ici. On rentre quoi ? Il y a peut-être des gens qui sont sur le sol qui regardent ces bons joueurs. Happy ? Info là ? Faut changer de radio, bébé. Mais non, mais attends, ils sont en train de prendre nos collègues en otage. Oui. Ouais, confirmez code noir ou pas là ? Y'a code noir ou pas ? Bah, je sais pas, putain. Ah, pas code noir.
Bah oui, un peu là. Merci Swapper de ton follow, merci, bienvenue dans la chaîne, rejoins-nous sur Discord que tu trouveras en description en tapant un point d'exclamation Moonboot Discord pour avoir le bon lien. Et je t'invite aussi sur YouTube pour revoir les lives que tu as aimé, le live de ce soir. Merci à toi et bienvenue. C'est quoi la radio courte là? 174.6. Avec une voiture violette, c'est lolo ça encore. A tous, pose le test. Ouais, Dédé, tu m'en vois? Un fille. T'es où? T'es là, en Strider, ouais. Ouais, on a besoin de renfort. L'unité Sierra se fait suivre par la rampage avec petits véhicules. Ils essaient de les arrêter. Et toutes nos unités sont à Kavala. Donc. Bah, on fonce sur Kavala. Allez, donc, on a la quand même. Comment ça, à Kavala? Je sais pas, parce qu'ils veulent aller à Kavala, mais le truc c'est que c'est notre gars à eux, on croit, il y a quand même deux. Ça veut dire qu'on empêche d'en bloquer l'action, quoi. Bah ouais. On va voir, mais je pense pas que c'est ce qu'ils veulent faire, mais... On va dire aux unités d'essayer de revenir vers nous, si. Ah, c'est eux qui peuvent pas aller dans Kavala, hein. Bah ouais, mais ils sont au port de Kavala. Deux rebelles lourds au garage de l'aéroport. Quoi? Il y a deux rebelles lourds, apparemment. Au garage de l'aéroport. Ouais, priorité. Super. Et si on met des airs sur le principal et qu'ils vont assez vite? Non, on n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez nombreux. Ouais. Non, on n'est pas assez nombreux. Ouais, on n'est pas assez nombreux. Qui est en Sierra comme ça? On se verra, Jus, Dionysos. Faut qu'on se groupe et que voilà. C'est DD qui a écrit ça comme ça? Ouais. Vraiment écrit ça comme ça? Oui. Ouais, Sierra comme ça. M'en fous. J'ai pas le temps. Écoute, la bonne question est, est-ce que t'as compris ce qui était marqué? Oui. Par contre, ça va m'emmerder, ça. Attends, donc, équiné. Attends, parce que là, ils sont les unités, elles se dispersent dans des directions différentes, ça me plaît pas, moi. Fais-moi un coup de main longue, là, et dis-leur de se pagner le cul à Kavala, là. J'ai pas la longue. Attends. Non, c'est la longue de civile. Tiens, paramètre la longue. Tu peux pas? Ah, ouais, tu peux, tout bien. Tu peux parler en longue aussi, en chef de bord? Bien sûr. Elle est bonne, c'est 80.3. Ouais. Allez, ouais. Parle en longue. Dis-leur de se manier le cul là. 69 là, modifier. Transmet. J'ai vu quoi? On a 4 véhicules au cul maintenant. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais j'aimerais bien que Kavala se bouge un peu là. C'est bon, ouais, c'est ce que je fais, c'est pas sûr. Ils arrivent, ils sont en virage dangereux. Quoi? Ça, c'est 9.9, t'as dit. Ouais, mais non, mais c'est 90. Non, c'est 80. Sur la longue là actuelle, c'est, t'as marqué 69.9. T'es bon là? J'ai dit ça. Non? Moi, c'est marqué. Fais gaffe au Hertz, fais gaffe à l'Hertz. Ouais. Tu modifies la longue, pas ta courbe. La mienne. Non, mais celle de... Merci, oui. Ok, il y a la cam. En fait, j'ai compris, il y a la drogue au repère. C'est bon là ou pas? J'ai mis chaîne de 83 sur le Strider. Ok, à toutes les unités sur la radio, camion, repère de gang. À mon avis, c'est de la cam pour la rampage. On gère ça. Ça, je me barre. De toute façon, on se loigne parce qu'il y a quand même un ifrit au cul. Ouais. Un ifrit sur zone. Hein. T'es terre là, sur tes ifrits. On se mettait. Ça va, Nélé? Ouais, ça va, j'ai un ifrit au cul, mais ça va. Okay. Je crois qu'il ne suit plus. Ma fille, ouais. Reste pas sur la principale. Il reste des unités CPA ou pas? T'es solo en CPA? J'ai peur. On bouge, hein. On ne sera pas assez.
vérifie. C'est bon. Cobra, Cobra Lead, vous êtes où là avec vos unités là? Non. Bah, j'arrive pas. Vous en êtes où là, Cobra Lead là? Si tu fais. Essaye de faire acte P, acte gauche P. Bah, oui. Négatif, et je parcours toi. Reçu. Il y a des multiples camions remplis de drogue, repères de gang, rampage, hélico, ifrit et multiplax en véhicule civil. Alte droit, B. Ils sont partis. Tous les véhicules sont partis direction aéroport. Ok à tous, mettez à jour les points cartes radio s'il vous plaît, courte et longue portée. Et envoyez-les par téléphone. Il a pas mis. Là tu configures ta courte à chaque fois. Tu configures la longue. Avec la longue radio, je parle pas la ta courte radio, ta radio courte. C'est vraiment ta longue radio. La radio longue. Je sais pas c'est quoi la touche par défaut. Je sais que moi c'est Alt, Alt gauche P. Alt gauche P. Ça s'ouvre pas une radio différente là? Ça m'ouvre la radio du Strider. Ouais, là tu retires la fréquence actuelle donc c'est 69.9. Moi c'est le problème c'est que ça marque 80.3. Passe au repère de gang. Ah mais. Où ça? Où ça? Ensuite, on fonce. Ah, je sais pas, ça va. La fréquence de vache. Ouais, moi ça va, ouais. Foncez sur Sierra là. En portée, c'est toujours la même. Ouais. Mais. Tant que votre véhicule passe, bon, je les suis, ils sont. Je pense pas dans... On s'est fait shoot. Ah, quoi de noir pas, on s'est fait shoot sur la gauche. Au niveau bijoutier, j'ai pas de vision. Bien reçu. Bah, allez, vous tirez dans le tas. Allumez vos GoPro et tirez les gars. J'ai besoin de la GoPro. Ouais. Bon, j'aurai pas besoin moi perso. C'est bon, il est pas. C'est quand il va tirer, tu faisais pas de l'air. Aucune impôts. Est-ce qu'on peut troll A? C'est signé majeur. T'as toujours pas fait un. Moi ça marque le LR. Je réitère ma com précédente. Mettez à jour les radios sur carte et par téléphone s'il vous plaît. À moins qu'il y a deux longues portées différentes dans le. L'avant et l'arrière. Raptor noir, CLA noir, BM noir, Fiat 500 noir. L4 blanc, sable, tenue sable. Je mets toutes les chaînes. Voilà, 86. Voilà. C'est bon, ça te va là? Ouais, mais non, mais moi ça changera rien. Attends, je vais essayer de faire ça en speed. Il y a un ifrit également, gris. Et vous êtes fait shooter par qui là? C'est qui là-dedans? Ouais, c'est moi, Lucas. Okay. Tu fais ce qu'il faut, hein.
prenne le stride là pour le coup. Et le stride c'est rangé, ça sert à rien de l'en sortir. Ouais, on veut lancer une route. Y'a pas du monde au niveau des. Mettez-en pour restuff, refuel pour la tempête prochaine. Ouais. Bon, moi je verrai ça plus tard. Allez hop, on monte là-dedans les gars. Allez hop. J'aimerais bien prendre l'info moi, mais. Monte là-dedans. Ouais, allez, gaz. Allez, go. Allez, vite. Waouh, ça fait longtemps que je suis pas monté un véhicule comme ça. Un petit siège sympa, hein. C'est plus confortable que le Strider. Y'a un Raptor là autour. Salut, il y a combien de personnes sur le serve? En général, full, complet, 150, 160 personnes. Sois peur. 160 slots, dont 120 civils, et tous remplis tous les soirs. Elle est où la douche là? Je crois que c'est une douche là. Au niveau des tours, t'as le véhicule à Raptor. Ok, véhicule sur ma Raptor, sur ma position. Position DD. Il est au-dessus de nous, sur nous. East, tu feras gaffe. Tu feras gaffe quand tu descends, à droite. Attends, toi. Fais descendre à droite. Ah, qui a tiré là? Sur le Raptor? On est peut-être au milieu des actions, je comprends rien. Bah, je pense, ouais. Pour la police, tout ce qui se passe, tout armé, vous laissez faire. Ils sont déjà en action. Ok, bien reçu, allez, la police, on dégage. Par contre, pour côté Attira, on attaque, non? C'est-à-dire Attira? Non, ils sont en action, c'est la Rampage qui est déjà en action. Oh putain, mais moi j'ai comme le mec dans le truc. Bah tu le rembourseras plus tard, on en discutera plus tard les gars. Bon allez, venez, rendez-vous au bord de plage niveau vendeur de puits. Attends, t'as dit quoi là? Vendeur de puits. Acheteur de pétrole. Ah oui. Non, ouais, Omega, t'étais dans le Raptor ou pas? Bon bah t'inquiète pas, tu vas être remboursé Raptor, t'inquiète pas, je viens de lui dire. Tu vas être remboursé, t'inquiète. Parce que t'es en plein milieu d'une action en fait. Laisse-le, si c'est du beige, laisse-le. Parce que je crois qu'on s'est incrusté là où il fallait pas. Non, c'est pas du beige, c'est un autre mec ça. Non, c'est un civil qui vient de passer les gars. Bon, là je suis plutôt content de mon escouade, c'est ça? T'as toujours un L4 sur toi, Dédé, par contre, je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas, je m'en fous. On peut tous se mettre à genoux devant le grand Dédé. Ave César. Salut Famoso, bienvenue à toi, merci d'info la chaîne. Rejoins-nous sur Discord et abonne-toi sur YouTube pour voir le live et les lives que tu as ratés précédemment. Merci à toi et bienvenue. Merci à toi. Merci à toi. Gueule. Rien. Il est content, il veut me voir en fait. C'est la télévision. Oh là 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 là. Je peux tellement lui mettre une balle. Est-ce qu'on peut faire comme dans Bravière, t'es montré l'autre cul? Non mais tirez pas dessus hein. Allez, on se met tous face au L4 et on monte son cul. Allez, c'est parti. Reste moins d'une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, mettez-vous tous sur votre cul face au L4. Et on va dire au revoir. Et voilà, le live est terminé, la police est face à vous avec ses bonnes petites fesses. Rien que pour vous mes amis de la chaîne Springfellow TV. Merci à tous, merci à tous les followers, merci à tous les donateurs, merci à tous. La bise. Merci, merci Murray, merci Pipiap, merci Monster Zen. Merci Andrew Gaming, merci Cédric. Swapper, merci Nick, merci à tous pour vos follow.
Merci pour vos follow, pour vos donations. Merci Nek pour tes dona, pour ta donation. Merci à tous. J'espère que vous êtes amusés sur ce live parce que moi j'ai pris du plaisir. Je tenais à remercier toute la Rampage qui sont sur mon live et qui nous ont permis de faire une belle action à la banque. C'était très bien joué des deux côtés. Et voilà. Moi je vous donne rendez-vous demain 20h minuit comme d'habitude Altis Live France sur un autre jeu dans la soirée, demain dans la journée. Et voilà, merci à tous, soyez nombreux. N'oubliez pas de follow la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait. Merci de me rejoindre sur YouTube pour revoir les games et les gameplays en fin de matinée. Merci de nous rejoindre sur Discord pour créer des escouades sur R6 ou de jeux comme Apex. Merci à tous mes loulous, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous me donnez la motivation pour streamer. Allez, moi je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit et à demain. Bisous mes loulous. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.